Euh, puis, euh, parce que de toute façon, dans <laughs> tous les cas, je vais te dire dans tous les cas. Il <laughs> bon. faut je gère Comment tu as le micro là Parce que je suis là d'habitude. Hein. Ah oui, c'est <laughs> Thank <laughs> you. Bon. Bien, mes chers collègues, si vous le souhaitez, nous allons euh, attaquer euh, cette, cette commission. Et avant de, de procéder à l'audition des, des APNM, des représentants des APNM, nous allons procéder à quelques nominations internes à la commission. Puisque vous savez que les avis budgétaires seront présentés euh, cette semaine, que la semaine prochaine, nous aurons le, le, les débats autour des crédits de la mission de défense en, en séance publique. Et donc, on doit déjà commencer à réfléchir au, au coup d'après. C'est-à-dire potentiellement la loi de programmation militaire qui serait euh, présentée euh, au tout début d'année. Vous savez que euh, la première étape sera euh, de travailler au, au, au travers de la revue nationale stratégique, mais dans cette loi de programmation militaire, il y aura bien entendu euh, des sujets de, de fond sur lesquels la Commission de la Défense doit d'ores et déjà euh, travailler au travers de missions d'information qu'on va vous, vous proposer aujourd'hui, qu'on fait bien entendu l'objet de discussions intenses au sein du bureau. À la fois sur les thèmes des missions d'information, mais également sur le, les répartitions euh, politiques, compte tenu des, des nouveaux équilibres de 2022 euh, au sein de, de l'Assemblée nationale. Donc, un tableau vous a été distribué. Euh, je commence par les missions d'information, ensuite, on pourra passer sur les groupes de travail. Avec la proposition des missions d'information, donc, euh, cinq missions d'information vous sont euh, proposées. Donc, une mission longue et quatre euh, missions euh, flash. Euh, bon je rappelle à tout le monde que les missions d'information, vous avez toujours euh, un rapporteur de la majorité, un rapporteur de, de, de l'opposition et euh, vous avez un, un appui bien entendu des administrateurs euh, pour euh, que les députés soient euh, accompagnés, on va dire, outillés euh, pour l'exercice de, de ces missions d'information. Euh, alors la mission longue. Euh, qui aura donc euh, la chance d'avoir deux administrateurs, étant donné que c'est une mission plus, plus conséquente. Donc je vous rappelle que la mission longue, l'objectif, c'est de faire le bilan de la LPM 2019-2025. Bien entendu, euh, avant de faire une nouvelle LPM, il faut déjà évaluer la manière dont celle qui est en cours a été euh, euh, exécutée, et puis euh, euh, la challenger aussi à l'aune des, des nouveaux défis euh, géostratégiques. Donc il est proposé euh, donc, deux rapporteurs. Pour, euh, pour cette mission longue. Donc Yannick Schoenvar pour le groupe Renaissance et Laurent Jacobelli pour le groupe Rassemblement National. Et compte tenu de, de l'importance de cette mission d'information qui va structurer un peu le travail de l'ALPM à venir, euh, il vous est proposé également que j'en assure la présidence, qui n'aura pas d'impact sur le, le fond, mais euh, qui permet de montrer l'importance de, de, de cette mission d'information. Au-delà de cette mission d'information longue, et on pourra en, bien entendu échanger sur les thèmes euh, si vous le souhaitez, quatre missions flash vous sont proposées. Un sur le sujet important du stock de munitions. Euh, vous savez que c'est un, un sujet important avec euh, déjà des annonces qui ont été faites pour le projet de loi de finances de 2023, avec 2 milliards d'euros par an qui se, y seront euh, consacrés. Donc c'est un sujet majeur. Un deuxième sujet qui concerne la défense euh, sol-air, sujet également... Euh, pleinement d'actualité euh, et euh, majeur notamment quand on intervient dans des euh, zones où l'espace aérien n'est pas totalement maîtrisé. Euh, un, une mission flash sur la préparation opérationnelle, donc sur la manière dont euh, nos forces euh, s'entraînent pour faire face à, à toutes les, les situations, puisque vous savez qu'au-delà d'avoir des bons équipements, ce qui fait la différence, c'est la la, la capacité humaine. Et donc, il est très important que cette préparation opérationnelle soit de, de bon niveau, à la fois au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. Et là encore, la, la LPM va décrire des objectifs de Prépa Ops en termes de nombre de jours. Donc, c'est important d'y travailler d'ores et déjà. Et une dernière sur les, sur les fonds marins, euh, puisque vous savez qu'il se passe beaucoup de choses au fond de la mer et, et des océans. Euh, on en a eu encore malheureusement récemment un exemple avec le, le sabotage de Nord Stream 1 et, et 2. Et que même, vous savez, plus de 95% du trafic Internet mondial passe par les fonds marins, qui y a de nombreuses richesses dans les fonds marins. Donc, euh, il est important qu'on puisse étudier les tenants aboutissants de, de ce sujet. Alors, vous avez le tableau avec les propositions de rapporteurs stock de munitions, Vincent Bru du groupe Démocrate, Julien Rancoul du groupe euh, RN. Pour la défense solaire, Nathalie Pouzirev pour le groupe Renaissance et Jean-Louis Thierriot pour le groupe LR. Pour la prépa opérationnelle, Brigitte Lizo pour le groupe Renaissance et Anna pour le groupe socialiste. Et pour les fonds marins, Lisiane Métayer pour le groupe Renaissance et Aurélien saint pour le groupe La France Insoumise. Est-ce que ces nominations appellent des, des commentaires? Je n'en vois pas. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver ces nominations. Je ne vois pas d'opposition, pas d'abstention. écoutez, Je vous remercie. Par ailleurs, au-delà de ces, ces missions d'information... Euh, le bureau a décidé de la création de groupes de travail sur cinq thématiques. Alors, les groupes de travail, euh, c'est quelque chose de nouveau dans le fonctionnement de, de notre commission. C'est quelque chose qu'on va lancer. L'objectif, c'est de disposer euh, d'outils euh, plus connectés à l'actualité et plus ouverts sur l'extérieur le, que les missions d'information ou euh, les auditions que l'on est euh, en mesure de, de mener, où on doit respecter un certain euh, formalisme. Et donc ces, ces groupes de travail seront un endroit qui pourront permettre ce type d'échange et permettre également d'organiser, euh, euh, j'allais dire, les, euh, les travaux collectifs de la Commission. Par exemple, le groupe de travail international, c'est celui qui pourra travailler sur la feuille de route internationale de la Commission, quels sont les pays avec lesquels développer des relations interparlementaires, euh, voilà. donc, etc., etc. Donc il vous est proposé la création de cinq groupes de travail, un sur le territoire national, dont Christophe Blanchet euh, du groupe démocrate et Isabelle Santiago du groupe socialiste seraient les, les animateurs. Un deuxième sur les hommes et femmes de la défense, dont, euh, qui sera animé par Corinne Vignon du groupe Renaissance et euh, Pascal Martin euh, du groupe LFI. Un sur la BITD, euh, qui sera animé par Mounir Belamiti du groupe Renaissance et Jean-Louis Thierriot du groupe LR, un sur l'international, qui sera animé par Jean-Charles Arseneur du groupe Horizon et Frédéric... Alors euh, non, il euh, y a une nouvelle... Euh, et Michel Monsieur. Martinez du, du, groupe, euh, du groupe RN, et un sur les opérations, euh, qui sera animé par jean marie Fievet du groupe Renaissance et Aurélien Saint-Toul du groupe LFI. Et euh, je, je précise que, bien entendu, euh, vous serez tous individuellement sollicités pour participer à ces groupes de, de, de travail. Sachant que je précise qu'il me semble que le plus pertinent est que les animateurs de ces groupes de travail disposent d'une très grande latitude dans la manière d'organiser les travaux, le nombre, la fréquence des réunions, savoir s'il faut inviter des, des personnes, etc. L'objectif étant que ça produise du fond notamment et que ça détecte des, des sujets à approfondir. Par exemple, un groupe de travail pourrait se dire, voilà, là il y a un sujet en particulier qui mérite d'être approfondi. Ce groupe de travail pourrait solliciter, par exemple, le lancement d'une mission d'information, un déplacement, un contact, euh, etc. Euh, et donc, notamment, vous serez sollicité pour savoir euh, dans quel groupe de travail vous souhaitez participer, sachant que la règle euh, qui est fixée, c'est que vous pouvez déterminer, un peu comme dans les groupes d'études, euh, euh, vous pouvez être, être membre de tous les groupes de travail si vous le souhaitez ou d'aucuns. Ou voilà, il y a une très grande liberté qui sera donnée à chacun pour. Pour participer ou non à ces, à ces groupes de travail. Voilà, je ne sais pas si ça amène d'autres, si ça appelle d'autres questions ou, ou observations. Écoutez, je vous, je vous remercie et j'en je, je, profite là pour remercier le, les échanges vifs et riches qui ont pu avoir lieu au, au bureau pour aboutir à ces, à ces équilibres, j'allais dire, de nature politique, et également à la méthodologie qui, qui nous permettent en, en commission d'être efficaces dans la mise en place de, de ces éléments. Alors ces éléments d'ordre du jour, donc, euh, étant épuisés, euh, je suis particulièrement heureux d'accueillir les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, représentatives d'au moins une force armée ou d'une formation rattachée, pour une audition consacrée au projet de loi de finances 2023. Créé par la loi du 28 juillet 2015, actualisant la, la LPM de 2015-2019, les APNM ont participé à la rénovation de la représentation des militaires pour enrichir le dialogue social au sein de la fonction euh, militaire. Elles sont exclusivement composées de militaires, comme on peut le voir aujourd'hui, et ont pour objet exclusif la préservation et la promotion des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire, terme définis dans le code de la défense pour préciser leur mission. Les APNM ne sont pas des syndicats et sont complémentaires au CSFM, le Conseil supérieur de la fonction militaire dont on a auditionné les représentants, je crois, la semaine dernière, le jeudi 13 octobre, dans lesquels elles ont d'ailleurs vocation. Mais elles ont d'ailleurs la vocation de siéger sous réserve de conditions de représentativité. Et euh, comme vous le savez, euh, la commission, je m'adresse aux, aux représentants des APNM la commission a été renouvelée à plus de 80%. Donc, euh, chers collègues, n'hésitez pas à, à poser des questions sur le fonctionnement particulier des, des APNM dans l'écosystème avec le. Le CSFM, le HCECM, enfin, n'hésitez pas également à poser des questions de, de méthode euh, si, si vous le souhaitez. Nous recevons donc aujourd'hui pour la PNM Marine, représentant des personnels de la Marine nationale, le quartier maître euh, euh, Julien, co-présentant euh, équipage. On peut, on, on peut dire les noms de, de famille en entier. Donc, euh, le quartier maître Villon-Julien, co-président euh, équipage, c'est vous. Pour la PNM R, représentant des personnels de l'armée de l'air et de l'espace, le capitaine Lionel Iléro, président et le majeur Philippe Glimois, président délégué. Pour la PNM commissariat, représentant des personnels du service de commissariat des armées, donc le SCA, monsieur le commissaire principal Stéphane Nouya, euh, président. C'est bien prononcé correctement votre nom de famille, très bien. Et pour France Armement, représentant des personnels de la DGA, Monsieur l'ingénieur en chef de l'armement, euh, Michael Josien, et Madame l'ingénieur en chef de l'armement, euh, Johanna Pelletier. En espérant avoir prononcé correctement les, les noms de famille, je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Sans plus attendre, je laisse la parole aux associations pour une intervention chacune de 7 ou 8 minutes. Une séance de questions-réponses avec les députés suivra ces exposés liminaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au nom de la PNM Marine, je souhaite tout d'abord vous remercier de nous accorder ce rendez-vous. Il est important pour poursuivre notre travail commun sur la condition du militaire et plus particulièrement du marin. Ce point est fondamental. Le, la présence de la Marine est justifiée par la condition militaire. Il ne nous appartient pas, comme vous le savez, de commenter les opérations ou les programmes d'armement. Il nous appartient en revanche de vous rappeler combien le métier de marin militaire est particulier, à la fois marin et militaire. Connaissant la double exigence de la vie embarquée et, la, et de la singularité du militaire. Je m'exprime ainsi au nom de la présidence collégiale de APNM Marine, qui est constituée de trois coprésidents pour chacune des trois catégories officiers, officiers mariniers et équipages. APNM Marine continue son évolution avec à ce jour un peu plus de 700 membres. Notre représentativité et, notre, et nos capacités à répondre à nos adhérents comme aux marins qui en font la demande, favorisant ce développement. Cependant, les moyens alloués restent timides au regard du développement et à la place que les APNM pourraient avoir au sein de notre institution pour jouer pleinement le rôle qui leur, qu leur est confié. Sous la précédente mandature de la Commission de la Défense, nous avions porté à la connaissance de la Commission plusieurs projets que APNM Marine portait comme le projet Val de Grâce, le compte épargne permission monétisée. que nous tenons à la disposition de la Commission afin d'en prendre connaissance. Ceci reste d'actualité afin de préserver le. Et promouvoir les conditions, la condition militaire. Aujourd'hui, aujourd l'un des sujets majeurs de préoccupation des marins reste leur pouvoir d'achat. À l'heure où certains se posent la question du choix entre le chauffage et le frigo ou entre l'école des enfants et le travail, les réformes en cours continuent d'être un sujet d'inquiétude. La NPRM, les retraites et la protection sociale complémentaire et la, et, la, et la protection sociale complémentaire. Nous aimerions attirer votre attention sur le sur la protection sociale complémentaire qui sera mise en place au profit des militaires en 2025. En effet, la PSC permettra à tous les militaires d'avoir une couverture sociale minimum. Cependant, la PNM Marine aurait aimé être associée par la DRHMD à ce projet important. Il est à rappeler que les militaires actifs d'aujourd'hui seront les retraités de demain. Et dans une juste reconnaissance des missions accomplies par ces derniers, il serait préjudiciable de ne pas intégrer. Une partie, une partie dépendance en plus du panier santé et prévoyance minimum que les institutions souhaitent inclure dans le panier obligatoire qu'un militaire devra souscrire. Aujourd'hui, on peut constater un reste à charge très important pour les, pour les résidents des EHPAD privés de 1800 euros. Cela, permettra, ne, cela ne permettra pas aux militaires retraités de subvenir à ce reste à charge mensuel. Dans un registre similaire, APNM Marine souhaiterait pouvoir être associé à la future réforme des retraites afin de donner sa vision de, cette analyse, de ces analyses. Nous avons alerté à plusieurs reprises le gouvernement afin de leur proposer un échange d'informations et de permettre une juste considération du marin pour les services accomplis. Ces derniers n'ont pas répondu à nos attentes. Concernant la tranche 3 contenant l'IGAR et l'IEM, inquiète tout particulièrement nos marins. Après avoir subi une perte de solde avec la mise en place du bloc 2, pour certains marins, la fiscalisation de certaines primes et indemnités de ne rassure toujours pas. Cette nouvelle série de mesures est difficilement comprise, voyant là au final le risque d'un nouveau déli délitement de leur pouvoir d'achat. Sur cette réforme, APNM, APNM Marine regrette de ne pas avoir été associée malgré ses multiples demandes. Le rôle d'information et d'explication que nous aurions pu faire pour faciliter le volet communication n'a pas été souhaité de la part de la DRHMD. En réalité, à sa mise en application, les structures administratives n'ont pas toujours les réponses et c'est vers nous que se tournent les marins avec une quantité de questions remettant en cause la communication de cette NPRM qui est encore vue aujourd'hui comme une réduction du niveau de vie des militaires. Là où les conclusions du rapport HCECM pointent du doigt un fossé entre les ressortissants du Minarme leurs familles incluses et le reste des ministères, il semble qu'aujourd'hui, c'est vers une paupérisation de nos plus jeunes, mais aussi de nos plus anciens, que le navire voque toute voile dehors. Alors que nous aimerions être intégrés aux travaux de concertation et encore plus maintenant que la réforme des retraites et pensions revient sur la grève, nous n'avons pas été sollicités. Nous laissons avec amertume le sentiment du peu d'intérêt du travail des APNM effectué au profit de la communauté militaire. Nos adhérents, un peu plus nombreux chaque année, veulent de vraies réponses. Nos marins, sont, nos marins sont, las sont las des attentes bien souvent trop longues de la chancellerie pour se voir décerner une médaille. Une modernisation et une refonte de la chancellerie seraient appréciées. La question de l'attribution des primes Covid-19 comme des médailles idoines, idoine, dont nous avons parlé en octobre 2020, n'est toujours pas réglée. Il s'agit aussi des récompenses pour services rendus avec les dis des disparités notables entre les catégories, entre les métiers, voire sur, voire sur une même unité, entre les affectés et les renforts. Cette, cette, ces iniquités présentes sur, sur le moral des militaires sont les plus jeunes, songes, dont les plus jeunes songent au départ, avant même leur fin de contrat. Et où les plus anciens s'entendent à dire qu'il faut encore serrer les dents 6 à 8 ans avant de retrouver de meilleures conditions de travail. Vous comprendrez aisément, Monsieur le Président, que cela n'est plus, plus guère entendable à l'heure de la création de nouvelles spécialités, d'ouverture du recrutement ou du réveil des unités. Les militaires ont besoin de cette reconnaissance. Enfin, APNM Marine tient à remercier les députés de la commission de défense qui nous ont reçus. En entretien afin de leur présenter nos projets sur la condition militaire et des échanges fructueux qui en sont ressortis. Pour conclure, les dossiers visant à l'amélioration de la condition militaire nécessitent que tous les concertants soient associés aux travaux. Il semble important. Monsieur le Président, je tiens à vous exprimer au nom des trois coprésidents, mais également de nos adhérents, nos sincères remerciements pour cette initiative et à l'intention accordée. Nous sommes à présent disponibles pour répondre aux questions de la Commission de défense. Merci, je vous laisse voir l'ordre, mais j'en profite maintenant pour dire qu'on a deux anciens marins parmi les députés présents ici de la Commission de la Défense. Comme je ne pourrais pas le dire de toutes les armées, je le, je le dis maintenant. <laughs> bon, pour l'apner Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Intervenir dans cette enceinte devant les membres de la représentation nationale revêt toujours un grand honneur. La Commission de la Défense nationale des Forces armées, votre travail dans le cadre de ce PLF 2023 et bien plus largement l'ensemble des travaux que vous conduisez au bénéfice de la communauté militaire est vu de l'APNER comme essentiel. Dans le cadre de cette audition sur le projet de loi de finances 2023, nous avons choisi de porter à votre attention des remarques sur les points suivants. Le troisième volet de la NPRM est l'absolue nécessité de promouvoir dès maintenant le travail indiciaire, l'environnement autour de la mobilité, j'entends par là le logement, l'hébergement et l'emploi des conjoints, puis bien que cela sorte un peu du sujet, de la, future, ça sorte un peu du sujet la future réforme des, des retraites et donc de nos pensions, et le plan famille numéro 2. Concernant le troisième volet de la NPRM, je concentrerai mon propos sur l'inquiétude liée à la forfaitisation quasi systématique des indemnités et dès lors la grande confiance qu'il convient d'avoir lorsque l'on parle de clauses de revoyure à trois ans. Je ne citerai qu'un exemple qui n'incite pas à la sérénité lorsque l'on évoque la révision d'un forfait. L'indemnité pour le temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires, l'ITAOPC, plus connue à son origine sous l'appellation de TAOPM. Et pour faire simple, la déclinaison militaire de la réforme du temps de travail, c'est une indemnité forfaitaire valorisée 85 euros pour tous en 2002, et qui en 2022 est toujours valorisée à 85 euros. Elle intégrera la NPRM sous une troisième appellation depuis sa création, le complément de l'indemnité de l'état de militaire, et sera valorisée sans surprise à 85 euros. Je ne vous cache pas qu'un amendement défendu sur ce point ne serait que justice. J'en profite pour rappeler devant vous que la NPRM, ce n'est pas un plan de revalorisation de la condition militaire. Alors, oui, bien sûr, hein, il y a des avancées incontestables, notamment dans la prise en compte des situations individuelles. Le Pax au premier jour est l'une d'entre elles. Et enfin, en 2013, pr presque 20 ans après, on rétablit les militaires dans leurs droits. Alors oui, une enveloppe non négligeable est, est consacrée à ce chantier, qui simplifie et donne plus de lisibilité à la part indemnitaire de notre rémunération. Mais quand même, en contrepartie, la fiscalisation s'invite sur une indemnité de garnison qui interroge encore. Pour être franc, cette fiscalisation, elle ne satisfait personne. Mais le sens des responsabilités fait que ce n'est plus un combat aujourd'hui. En revanche... Ce qui est désormais un combat, un véritable combat, c'est l'indispensable revalorisation, refonte même de notre part indiciaire. Je vous le demande ici euh, un peu solennellement, mais euh, portez pour nous ce sujet. L'APNER, elle est représentative et légitime pour vous demander, à vous les représentants de la nation euh, que l'on sert, de reconnaître par cette action la singularité militaire et dans un domaine de la rémunération qui souffre de notre humilité. Et je ne parle même pas là de l'inflation qui nous pèse à nous comme aux autres. Vous aurez à vous prononcer bientôt dans le cadre de la loi de programmation militaire sur cette part indiciaire qui, dans la fonction publique, ne fait rêver personne. C'est toujours nous qui courons derrière quelqu'un. Le moment est venu de relever la tête et défendre notre fonction militaire, notre modèle de fonction militaire. Nous refusons désormais de banaliser l'état de militaire. De surcroît à l'heure où plane le conflit de haute intensité. Nous serons aussi bien sûr attentifs aux travaux liés à la réforme des retraites, qui affectera par la même nos pensions. Je souhaite que l'APNER prenne sa part dans les réflexions et dans les travaux. C'est un sujet plus que sensible dans les armées, vous le savez. Il porte de la gestion RH, de la reconnaissance, de l'attractivité et de la fidélisation. Nous avons depuis 2003 largement contribué à toutes les réformes et cette fois encore, le sujet de l'intégration d'une partie de nos primes, à l'instar de nos collègues gendarmes, se posera. Un focus tout particulier aussi sur la pension de reversion, qui a été malmenée dans le précédent projet de loi, et elle fera vraiment l'objet de toute notre, notre attention. Un mot sur le logement et la prise en compte des propositions de votre excellent rapport parlementaire. On l'avait déjà dit la dernière fois, c'est vraiment sincère, on le pense. C'est mieux aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est déjà, c'est pris en compte. Et euh, le projet de loi de finances euh, l'a gravé dans le marbre. Donc ça va dans le bon sens. Mais on part tellement de loin que j'appelle de mes voeux que ça aille plus vite et qu'il faille faire plus. Sur l'hébergement, c'est pareil. Hein. Le constat est sans appel. Il n'y a qu'à lire le rapport du, au comité d'évaluation de la condition militaire, son 16e rapport. « On paye les années à, où déflater était la priorité » et on a un peu oublié l'essentiel, s'occuper des gens et surtout des jeunes. Alors la volonté de faire mieux est bien réelle, on, on, le, on le reconnaît, mais ça risque d'être un peu long. Sur l'emploi des conjoints, qui est la première préoccupation des militaires quand on évoque la mobilité, la solution passe proba probablement par des mesures innovantes. Pourquoi ne pas revenir sur une logique de placement plus que d'aide à la recherche d'emploi Moi, je tiens à saluer ici les, les efforts qui sont bien réels hein, pour améliorer le quotidien, pour faire en sorte que l'on vive mieux notre engagement à servir en tout temps et en tout lieu. Le plan famille numéro 1 euh, portait des propositions concrètes, notamment dans sa part logement, dont le financement, je le rappelle une fois de plus, ne relevait pas d'un effort de l'État, mais bien du Fonds de prévoyance des militaires, fruit de nos cotisations. Euh, nous n'avons pas encore été consultés ni concertés sur le plan famille numéro 2. Mais outre la qualité et la pertinence de son action, nous regarderons de près son financement, euh, soucieux qu'il ne soit pas pris pour habitude de faire porter à la communauté militaire ses mesures, mesures d'amélioration. On, on, on a du mal à l'imaginer dans les autres ministères. Bon, en conclusion, vous l'aurez compris, hein, il ne s'agit pas là de porter un regard techno sur le projet de loi de finances 2023. Notre métier impose de disposer de matériel moderne, performant et fiable. Il en va en opération d'une autre importance que de simples conditions de travail. Et sur ça, le projet de loi de finances, il est à la hauteur. En revanche, le chemin qui mène vers une fonction militaire épanouie est encore un peu long. Ce que je peux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est que la singularité militaire, l'engagement, le service ne se discutent jamais dans nos rangs. On ne discute pas de la mission confiée, on l'exécute jusqu'au bout, sans rien exiger en retour. C'est le sens de l'engagement. Dans le verbe, nous avons toujours la reconnaissance. Euh, nous ne pouvons pas dire mieux. Vous avez la capacité d'aller au-delà des discours et d'imposer les évolutions pour faire que la fonction militaire ne soit plus le parent pauvre de la fonction publique, qu'elle donne à son tour envie. J'en ai terminé et à disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, notre association est toujours très honorée d'être entendue par votre commission depuis maintenant euh, plusieurs années. Un point sur notre association euh, nationale professionnelle, donc qui regroupe à la fois les commissaires et ce corps un peu abandonné qui s'appelle les aumôniers, les aumôniers militaires. Actuellement, nous, a, nous représentons à peu près nous avons 5% du corps des commissaires. Notre, notre particularité en tant que euh, commissaire... C'est d'être à la fois c'est le métier d'administrateur militaire. Administrateur signifiant que nous devons avoir un pied clairement dans la réglementation civile et savoir l'adapter en permanence aux contingences des opérations militaires. Euh, mon propos portera sur trois parties qui sont à peu près les mêmes que mes prédécesseurs, mais peut-être sous un nouvel angle. Donc je commencerai donc sur la condition militaire, bien sûr, la NPRM, l'emploi des conjoints et euh, j'envoie je des conjoints avec le plan famille globalement, et je terminerai sur quelles évolutions nous demandons sur la prise en compte des APNM dans la concertation. Sur la condition militaire, globalement, la première phase de l'ANPRM, on va dire qu'avec le recul, on en est content, puisque c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Voilà. La seconde phase euh, était un peu plus embêtante, parce qu'elle était très segmentée armée par armée, chaque armée ayant plus ou moins son tunnel et chacun ses, sa, sa, sa mise en place. Pour les commissaires, je dirais que nous nous en sortons relativement bien. Pour reprendre ce que disait mon camarade, et ce qui est un point un peu différent, c'est la difficulté qu'on a actuellement, c'est euh, l'idée même de fiscalisation de l'IEM. Parce qu'en en fait, elle nous apparaît plus, je vais être très franc, comme un combat d'arrière-garde de certains qui, depuis la création de l'ICM dans les années 50, veulent revenir sur ce décret-loi que sur une vraie politique de, globale de prise en compte. Donc, de nos points de vue, c'est assez peu compréhensible. De plus, globalement sur la NPRM, lorsqu'on prend la communication du budget 2023, nous n'avons vu que le mot attractivité. Il y a une contrainte démographique qui, va nous, qui nous arrive. Il y aura moins de jeunes dans le il y aura donc moins de jeunes disponibles à terme sur le marché euh, du recrutement. Et il serait bon à un moment de parler d'un peu plus de fidélisation. Et il est vrai que toutes les transitions enclenchées plus celles annoncées sont anxiogènes. Et un certain nombre d'entre nous se posent la question s'il ne vaut pas mieux partir tout de suite dans en un environnement connu plutôt que rester dans un environnement inconnu. Quand on parle encore euh, de conditions, Quelque chose dans la condition militaire qui nous appartient à cœur, qui est qui sont euh, l'usage du train. Alors nous ça, nous avons appris que le ministère va euh, utiliser un véhicule réglementaire ou législatif pour imposer le quart de place au niveau des régions dans les appels d'offres de privatisation. Cependant, il y a un point encore aveugle qui s'appelle la carte famille. Je rappellerai que la carte famille est un avantage commercial de la SNCF. Euh, notre association a été voir. Les deux régions qui actuellement ont fait un appel d'offres ou à candidature sur ce sujet-là, nous n'avons vu aucune mesure analogue. Alors peut-être qu'on a mal vu, mais qui serait bon. La difficulté, c'est que ces deux grandes régions, ces deux régions sont quasiment deux grandes régions avec de, de grosses préférences, ils sont très grandes, avec, de fortes, avec des forces de présence de militaires. Euh, ce point, en fait, amène une autre question, qui est en fait la, la réflexion qui vous a amené à la loi de programmation militaire sur l'implantation des militaires. Depuis 2003-2008, on a métropolisé. Et on ramène, tous les, on ramène beaucoup de militaires sur des centres urbains déjà saturés, ce qui pose d'autres problèmes ou autres. Donc il va pouvoir se poser une question à terme. Comment désaturer Soit voilà, on a une pression sur le foncier. Moi, à titre personnel, je peux vous le dire, j'ai été muté cette année. voilà, euh, Par un effet purement conjoncturel de, des plafonds de la loi Pinel. Voilà. Les, je ne, je ne peux pas accéder au loyer dans les nouvelles constructions. Voilà. Alors, je suis officier supérieur, c'est normal. Mais quand certains camarades qui sont sous-officiers subalternes sous sub sont dans le même cadre de moi, ça commence à m'inquiéter. L'emploi des conjoints. Alors, nous avions fait des propositions à la DRHMD sur l'emploi des conjoints en leur demandant de travailler euh, toutes, les, toutes les possibilités qu'offrait le nouveau statut de la, enfin, la rénovation du statut de la fonction publique qui permet de, pour les conjoints fonctionnaires de faciliter l'intégration des tâchements, et même dans certains cas, d'ouvrir le recrutement de contractuels. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Euh, et il nous a plus ou moins ce que nous comprenons, c'est qu'il y a un doute juridique ou réglementaire qui serait lié, d'après ce que je comprends, compris, compris, à l'équité de traitement au moment du recrutement. Le point suivant, qui quand pour reprendre, c'est le logement. Comme je l'ai dit, en fait, les, nous sommes métropolisés. Nous sommes, on a un problème de quantité et de qualité. La difficulté aussi, pour reprendre ce que disait mon camarade aussi, c'est que le plan, nous avons l'impression de l'autofinancer. Le PFP a une mission. Oui, il a une trésorerie euh, fixe, mais euh, par un moment, il se peut qu'on en ait besoin. Je ne l'espère pas, mais il se peut qu'on en ait besoin. Et en plus, la trésorerie de l'EPFP ne permettra pas de résoudre le point noir qui reste les grandes métropoles, comme, qui sont comme Paris ou Bordeaux, par exemple. Globalement, sur le plan famille et l'hébergement, comme je l'ai dit, nous avons le sentiment que nous avons largement autofinancé euh, ces mesures. Est-ce que c'est tenable dans la durée Voilà notre interrogation. Et je vais terminer par quel rôle dans les APNM ce n'est pas l'objet de la discussion sur le budget, mais pour une discussion future, ce que demande la PNM Commissariat, c'est déjà de cohérent. Nous sommes représentatifs au titre de nos formations rattachées, mais nous n'avons pas le droit de siéger au CFM des formations rattachées. Voilà. Le deuxième point, pour nous, c'est déjà la première chose à faire. De plus, nous commençons aussi à avoir une reconnaissance au titre euh, européen. Un certain nombre d'APNM se sont liés en Union et nous avons été, euh, et nous avons été conviés par Euromil, qui est la Confédération des syndicats militaires européens, à devenir observateurs. Euh, lors de ces euh, discussions, nous avons à cœur de bien expliquer ce qu'est le statut du militaire français d'expliquer que nous ne sommes pas des syndicats. Que nous, que comme le, et je ne vais pas aller plus loin que ce qu'a dit, reprendre ce qui a dit mon, beaucoup mieux que moi, mon collègue, sur la, notre esprit de la mission, qui pour certains autres armées européennes n'est pas tout à fait évident. Donc, amené de tout ça, je pense que les APNM présentes ici ont fait preuve d'un esprit construct, constructif et autre, et qu'il est temps de vraiment rénover la concertation et de nous donner toute place dans le dialogue. Je vous remercie de votre attention et je répondrai à toutes vos questions. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, je, je réitère les remerciements de mes collègues. Merci de nous recevoir. C'est toujours un honneur pour nous de pouvoir nous, nous exprimer face à la représentation nationale en direct. Permettez-moi de vous faire rapidement une présentation actualisée de l'association France Armement et des officiers des corps de l'armement avant de vous présenter un panorama, panorama pardon, des grands sujets d'intérêt, voire de préoccupation des militaires que France Armement représente. Alors France Armement, France Armement, c'est une association professionnelle nationale de militaires créée en juin 2016. Nous sommes reconnus représentatifs de la Direction générale pour l'armement depuis décembre 2017. Notre positionnement nous amène à rechercher à représenter plus particulièrement les officiers des corps de l'armement, c'est-à-dire les deux corps d'ingénieurs militaires que sont les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement qui constituent des corps de direction et d'encadrement en particulier au sein de la Direction générale de l'armement. Il dispose de solides compétences en expertise technique, en connaissances scientifiques, en organisation, en conduite des grands programmes d'armement et en capacité d'innovation. Il y a également les militaires d'ancrage armement. Il euh, faut savoir que les élèves français de l'école polytechnique rentrent dans le, dans le spectre. Ainsi que les commissaires des armées d'ancrage armement. Ainsi que des gendarmes de l'armement. Enfin, il nous reste quelques militaires en poste à la direction générale de l'armement que l'on regarde particulièrement et on s'assure qu'ils s'intègrent correctement. Les sujets d'intérêt du moment. Euh, actuellement, euh, je ne vais, vais pas faire de, de choses nouvelles par rapport à mes collègues. Un des principaux sujets d'intérêt, c'est bien la mise en œuvre de la dernière étape de la NPRM, donc la nouvelle politique de rémunération des militaires. Euh, cette mise en place qui va être effective au second semestre 2023 permettra d'avoir enfin l'ensemble cohérent voulu dans la refonte du système de rémunération des militaires, dans, le, dans la refonte indemnitaire de la, de la rémunération des militaires. Les objectifs initiaux de la NPRM, qui étaient de redonner du sens à la rémunération et regagner des leviers de pilotage, sont toujours d'actualité. On vient de finaliser les modalités et de le mettre en vigueur. Les officiers des corps de l'armement sont essentiellement concernés par la prime dite de performance. Elle a été mise en place dès le début de cette année et sera pleinement effective au mois de décembre, lorsque le premier versement de la part variable de cette prime sera effectué sur la solde. L'objectif initial de combler en grande partie le décrochage conséquent des corps des ingénieurs de l'armement par rapport à celui des grands corps techniques civils ne sera pas tout à fait atteint étant donné les choix qui ont dû être faits pour boucler le budget du de deuxième volet. Ceci dit, les ingénieurs de l'armement devraient tout de même globalement noter une nette amélioration de leur rémunération. La situation est assurément moins bonne pour les ingénieurs des études et techniques de l'armement, même si le nouveau mécanisme indemnitaire basé sur la performance met fin à des aberrations héritées de l'histoire, comme la décroissance du régime indemnitaire avec le grade alors même que les responsabilités augmentent. Les montants consacrés, les modalités complexes de mise en œuvre manquent nettement de l'ambition nécessaire pour dynamiser un corps dont les membres se sentent largement délaissés. La mise en place du troisième volet, donc l'IGAR, l'IUM, permettra de faire un point global sur la cohérence du nouveau système et d'en faire un premier bilan. Concernant la réforme des retraites, qui menace clairement l'équilibre très fragile entre attractivité, fidélisation et reconversion. Le Haut Comité pour l'évaluation de la condition militaire a parfaitement retranscrit dans un rapport détaillé ces problématiques lors des réflexions qui ont été menées pour le précédent projet de réforme des retraites qui visait à mettre en place un système par points. Ce travail reste parfaitement d'actualité et nous sommes bien évidemment à l'entière disposition de tous pour alimenter les réflexions. Un rapide point sur l'hébergement et le logement, je ne vais pas être plus original que mes collègues. Pour les mobilités vers Paris ainsi que vers quelques arrondissements de province, à l'instar de Bordeaux et Toulon, les tensions locatives et la faiblesse du parc logement ou défense grèvent sensiblement le budget des ménages, de la même façon que pour l'ensemble des militaires. En outre, compte tenu d'un barrissant de postes centré sur Ballard, les officiers des corps de l'armement sont incités à s'établir durablement en Ile-de-France, où l'accès à la propriété est souvent prohibitif. La mise en place de l'indemnité de garnison dans le, premier volet, dans le dernier volet de la NPRM est donc regardée avec attention par les officiers des corps de l'armement. Il sera important d'en faire le bilan une fois sa mise en place terminée. Concernant la charge de travail et les perspectives, on a toujours des ambitions plus grandes et des moyens humains toujours plus contraints. Les budgets d'investissement augmentent toujours plus rapidement que les progressions d'effectifs de la DGA. Les enjeux poussés dans la mise en place d'une nouvelle loi de programmation militaire, les travaux renforcés de coopération au sein notamment du Fonds européen de défense ne s'accompagnent pour l'heure d'aucune ressource humaine supplémentaire significative. Depuis plusieurs années, la DGA est toujours le bon élève. Elle absorbe les nouvelles demandes sous enveloppe, c'est-à-dire en sollicitant toujours plus ses agents, notamment les cadres, et parmi eux plus partic tout et particulièrement les militaires, avec des perspectives de compensation en recrutement qui ne se réalisent en fait jamais, et un développement du travail à distance qui peut gérer une hyperconnectivité néfaste à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc globalement, si on revient sur les, les dernières évolutions statutaires et les enjeux liés à la rémunération et à la finalisation qu'on souhaite pousser, on a pour les ingénieurs de l'armement une réflexion sur la réforme des statuts des ingénieurs de l'armement, avec l'ouverture du corps interministériel, ainsi que dans le privé et la réforme des grands corps techniques de l'État, qui pourraient remettre en question le statut militaire des ingénieurs de l'armement, qui sont de grands sujets de réflexion et d'interrogation pour nous. Pour les ingénieurs des études et techniques de l'armement, la prise en compte au niveau des GA et des RHMD de sujets sur la gestion statuaire des IETA, notamment avec le décrochage avec des ingénieurs civils fonctionnaires qui ont obtenu des avancées statuaires et financières très notables avec un niveau moindre suggestion et un décalage avec les autres officiers en raison notamment d'une limite d'âge plus élevée qui impose des parcours plus longs, nous paraît impérative à court terme. Je vous remercie de votre attention et je suis comme mes collègues à votre disposition pour les questions. Très bien, merci beaucoup pour vos interventions euh, qui ont parfois des spécificités mais dans lesquelles on retrouve bien les... Des troncs communs euh, euh, à tous, pouvoir d'achat, réforme des, des pensions, hébergement, NPRM. Euh, et je note bien par ailleurs le, le sentiment d'être parfois traité toujours euh, en, en retard par rapport au reste de, de la fonction publique. Et donc effectivement, c'est un, un sujet qu'il faut enfin, qu'on qu qu adresse. Euh, voilà, on va prendre les interventions des, des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Lisanne Métayer pour une durée de trois minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, au nom des députés Renaissance, membres de cette commission, je tiens à vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Elle traduit l'importance accordée aux missions des associations professionnelles nationales de militaires depuis leur création en 2015. Je souhaite évoquer par mon propos l'évolution de l'engagement de nos militaires et l'attractivité de ce métier qu'il ne faut toujours réenchanter. Je m'appuierai sur le 11e rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, publié en 2017, et consacré à la fonction militaire dans la société française, qui pointait les difficultés pour l'armée à mobiliser et fidéliser ses recrues. Près de 62% d'entre elles envisageaient de quitter leur fonction, et plus de la moitié affirmaient que le manque de moyens mis à leur disposition constituait un frein à leur engagement au sein de l'armée depuis la loi de programmation militaire 2019-2025, a permis d'améliorer le quotidien de nos soldats et faciliter l'exercice de la vie militaire. Équipements individuels renouvelés, infrastructures réhabilitées, soutien amélioré, garantissant ainsi plus d'efficacité dans leur mission. La déclinaison de ces mesures, prévues notamment dans le cadre du plan famille, vise également à parfaire les conditions des militaires, et l'attractivité de leur métier, tout en, accompagnant, tout en accompagnant au quotidien leur famille. Toutefois, des difficultés résident, notamment pour fidéliser les engagés au fur et à mesure des missions. Je pense aux fusillés marins de la Marine nationale que j'ai encore rencontrés récemment sur ma circonscription et pour lesquels les taux de renouvellement des contrats sont particulièrement faibles. Pourriez-vous nous indiquer des pistes pour assurer et perdu, perdurer la fidélisation des recrues au sein des armées. Je vous remercie. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Stéphanie gelzi Merci, Monsieur le Président. Madame, messieurs, le plan famille lancé en octobre 2017 a été, je crois, c'est l'avis de tous, un succès. Il a représenté une avancée car il a répondu à des besoins que l'évolution de notre société a suscité. Je pense en particulier à l'amélioration de l'hébergement, aux mesures pour accompagner l'emploi des conjoints ainsi que celles pour la petite enfance. D'ailleurs, les résultats se sont fait sentir sur la fidélisation des militaires, puisqu'en 2017 et 2020, pour l'armée de terre, ce taux de fidélisation est passé de 80 à 92 pour les officiers et de 68 à 82 pour les militaires de rang. Par contre, pour les sous-officiers, le taux est resté stable autour de 82 Est-ce que vous avez une explication pour cette singularité Néanmoins, tout n'est pas réglé. Pour l'hébergement, dans la gendarmerie par exemple, il reste des logements à la limite de l'insalubrité. Ce que Mme Catherine de Salin, présidente du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, a confirmé devant cette commission le 28 septembre dernier. L'État a signalé un contrat de concession d'une durée de 35 ans et d'un montant de 2,8 milliards d'euros le 14 février 2022 avec un concessionnaire privé pour prise en charge de la gestion locative du parc de logement d'Omanio Métropolitain le 1er janvier 2023, premiers travaux de rénovation du parc existant, construction de logements neufs. Les Français ont eu de mauvaises expériences par le passé avec ces concessions privées. L'exemple le plus connu est celui des autoroutes. Est-ce que vous considérez que ce choix de concession est le plus efficace pour améliorer la qualité des hébergements militaires Enfin, le ministre des Armées a annoncé ici même, lors de son audition du 7 juillet 2022, un plan famille 2 qui succédera au plan famille premier du nom. Je ne crois pas en l'efficacité d'un plan comprenant de trop nombreux axes et ayant un catalogue de mesures pléthoriques. Qu'espérez-vous de ce dernier Quelles doivent être, selon vous, les priorités, que ce soit au niveau des thèmes, mais aussi des mesures je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Bastien Lachaud. Merci Monsieur le, le Président. Madame Messieurs, merci de, de cette présentation où vous avez parlé d'une d'une voix claire des, des problèmes des, des militaires. Moi je, je vais centrer mes, mes questions sur la question de la NPRM. Euh, je voulais vous demander ce que vous pensiez du fait que euh, cette réforme ne se lit vite qu'au volet indemnitaire et ne prenne pas en compte euh, l'indiciaire vous avez commencé à y répondre mais je, je veux bien que, que vous y reveniez notamment sur l'aplatissement que l'on constate actuellement des grilles indiciaires avec la revalorisation du SMIC qui rattrape évidemment et qui aplanit euh, les carrières des, euh, des officiers, des sous-officiers et euh, des militaires du, euh, du rang également Beaucoup des primes, des nouvelles primes de la NPRM sont forfaitisées. Évidemment, dans le cadre d'une euh, situation inflationniste, comment évaluez-vous ce choix d'avoir désindexé des primes pour les avoir forfaitisées Vous avez évoqué la fiscalisation de Ligard. Êtes-vous rassuré par le, la compensation des, des 48 millions alors que l'on ne sait pas exactement qui va pouvoir toucher cette, cette compensation Et, Juste euh, préciser, euh, avant d'aborder les primes qui arrivent cette année, euh, vous nous avez demandé un amendement euh, sur euh, ces, cette question. Je tiens à vous informer que euh, malheureusement, nous n'aurons pas à légiférer sur la Nprm. Le gouvernement nous demande de, de verser donc euh, cent euh, et quelques millions pour euh, la nouvelle euh, tranche de 2023. Malheureusement, euh, nous n'avons ni les arrêtés ni les décrets. Et donc nous allons donner un chèque en blanc au gouvernement, donc de 100 millions, et les décrets et les arrêtés seront établis après, sans que nous en ayons connaissance. Donc là-dessus, nous, nous avons quand même un point de vue et des questions sur la 3PM, qui est une prime qui reste indexée. J'espère, je pense que je voudrais savoir si vous souhaitez vraiment qu'elle reste indexée et quelle valeur vous lui attribuez. Et sur la question de la, la PCS 1000, est-ce que euh, vous considérez que toutes les, les spécialités euh, sont, bien, euh, sont bien prises en compte dans, euh, cette, dans cette prime, si vous avez des, des éléments et que la concertation euh, vous a permis d'avoir les, les projets de décret euh, qui ne sont pas encore transmis à la représentation nationale Et euh, peut-être plus spécifiquement euh, pour. Euh, la PRM marine, vous avez évoqué des pertes de revenus liées à l'application de la deuxième tranche de la NPRM. J'imagine que vous vouliez parler de, de l'ISAO, mais je veux bien que vous reveniez en détail sur, sur ces pertes de, de revenus. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, euh, Monsieur le Président. Euh... Nous avons évidemment été ravis de vous entendre. Il y a un sujet qui vient de manière très récurrente, euh, qui est celui du logement et notamment du logement dans les territoires. Donc, j'aurais souhaité euh, entendre euh, les pistes d'amélioration euh, que vous pourriez suggérer sur ce sujet. Euh, étant euh, également, enfin, ancien président du département de seine -et marne et toujours élu départemental, c'est évident que les collectivités locales ont un rôle à jouer. Donc j'aurais souhaité savoir quel regard vous avez sur les liens qu'on peut avoir avec les collectivités locales. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait davantage d'engagement en matière de logement Je pense notamment aux offices euh, HLM. Est-ce qu'il faudrait qu'une priorité soit donnée aux militaires dans l'attribution de logement Je vais poser la même question concernant certains services essentiels tels que les crèches, par exemple, où on sait la difficulté d'avoir des places de crèche. Je vous remercie. Merci pour le groupe démocrate la parole est à Christophe Blanchet. Merci monsieur le Président, merci à vous tous et toutes pour votre présentation une nouvelle fois éclairante avec beaucoup d'émotions sincères dans certains témoignages. Euh, le groupe démocrate se réjouit de pouvoir vous auditionner à nouveau afin d'avoir votre vision sur la situation actuelle et sur les évolutions apportées dans le budget que nous allons examiner mais aussi dans la prochaine LPM. Vous jouez un rôle majeur dans la préservation et la promotion des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Tout au long de vos sept années d'existence, vous avez démontré que le travail est essentiel. Et j'aimerais vous interroger sur trois thèmes. Sur le plan Flamille, en 2023, il se traduira la, par la poursuite des efforts en matière de construction d'hébergements, de crèches et de logements en métropole comme en Outre-mer d'amélioration des conditions de vie en garnison, rénovation, installation de salles de sport, connexion Wi-Fi, d'action sociale et d'intensification des initiatives concernant l'accompagnement des conjoints à l'emploi ou à la mobilité. Vous l'avez évoqué. Ce plan s'inscrit dans la volonté présentielle de mieux accompagner les militaires et leurs familles. Cependant, le bilan effectué l'an passé dans un rapport de notre collègue Isabelle Santiago notamment souligne entre autres que ce plan gagnerait à être mieux connu aussi bien des familles que des militaires eux-mêmes. Ainsi, Comment ce plan est aujourd'hui mieux connu, s'il tel est le cas Vous avez parlé de l'aspect financier, mais comment est-ce que la communication en matière peut-elle être renforcée Vous avez dit que c'est mieux aujourd'hui, mais il faut aller plus vite. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite dans ce cas-là Deuxième sujet sur la mobilité géographique, où on sait que les difficultés demeurent et vous l'avez clairement évoqué aussi. Il y a quelques jours, notre commission a auditionné Catherine de Salins, la présidente du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Il apparaît que la mobilité géographique continue de cristalliser les tensions entre les exigences de l'institution militaire et les aspirations des familles de militaires. Si le taux de mutation est en légère augmentation, avec 35 000 militaires mutés en 2020 pour un taux de mobilité de 12,3 ce taux est particulièrement important pour les officiers brevetés avec un taux de mobilité de 43,8 en 2021. Cette mobilité induit des difficultés concernant le logement, ce qui a été évoqué largement aujourd'hui, la scolarisation des enfants, l'emploi des conjoints et l'accessibilité aux soins. Comment percevez-vous percevez ce taux de mobilité sur tous ces niveaux-là Et pouvez-vous nous indiquer, si on regarde l'inflation, vous constatez des réticences plus importantes Et vous l'avez évoqué, quel, quels exemples particuliers vous pourriez nous donner pour nous éclairer Enfin, en, en, pour l'accompagnement en matière de ressources humaines. En particulier sur l'accueil d'apprentis. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de son effectivité et si des améliorations sont à apporter Et pouvez-vous également nous donner votre vision de l'aide à la reconversion professionnelle Est-elle à hauteur des besoins Permet-elle réellement d'accompagner les militaires dans la préparation d'une nouvelle carrière Et en conclusion, vous avez dit qu'il faut donner toute la place dans le dialogue. Est-ce qu'on doit comprendre que ça bloque à un niveau Et si tel cas, comment est-ce qu'on fait mieux Je vous remercie. Merci pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs, à mon tour, je vais revenir euh, évidemment sur le rapport remis au président de la République en juillet dernier par le Haut comité d'évaluation de la condition militaire qui établissait euh, une forme d'état des lieux de la mobilité euh, des militaires dans nos armées, soulignant que l'exigence de mobilité est perçue par une majorité de militaires et de leurs familles comme une contrainte réelle. Le Haut comité a formulé plusieurs pistes de réflexion pour une condition militaire adaptée aux défis de la mobilité. Ces pistes de réflexion s'articulent autour de trois axes majeurs, le renforcement de l'action locale dans les domaines particulièrement touchés par la mobilité, une réflexion quant à la politique des rémunérations, et vous êtes revenu dessus, une meilleure évaluation des politiques de ressources humaines. S'agissant du volet relatif à l'action locale, le Haut Comité met l'accent sur l'accès aux soins des familles des militaires, qui est fragilisé évidemment du fait de cette mobilité. Et cette problématique est accentuée pour les familles dont un des membres nécessite des parcours de soins très particuliers du fait d'un handicap ou d'une affection de longue durée. Pour remédier à ces difficultés, le Haut Comité recommande notamment la mise en place d'une réserve citoyenne du service de santé des armées, facilitant l'accès aux soins des familles, ou encore la mise en place d'une prestation de service de type conciergerie, conçue comme un guichet unique, permettant de faciliter l'implantation au sein d'un territoire. Concernant la question de la politique de rémunération, qui est plutôt salué dans son ensemble par les principaux concernés du fait de sa lisibilité. Néanmoins, le haut comité, comme vous l'avez souligné aussi, estime qu'un meilleur équilibrage entre rémunération indiciaire et rémunération indemnitaire doit être envisagé. En effet, la part prise par la rémunération indemnitaire avec les conséquences qui en découlent concernant la pension militaire de retraite peut paraître excessive et contre-productive pour pallier le déficit d'attractivité des métiers sur le long terme, notamment lorsqu'on recherche des euh, compétences particulières et spécifiques dans le cyber notamment. Enfin, s'agissant de la meilleure évaluation des politiques de ressources humaines, le Haut-Comité estime nécessaire de se doter d'une meilleure connaissance de l'environnement sociologique pour repenser plus efficacement la gestion des personnes. À la lumière des éléments budgétaires dont, on a, dont nous disposons pour l'année 2023, considérez-vous qu'il est possible que ces recommandations sont réalisables et sur quel volet il semble absolument nécessaire d'axer les priorités Merci. Merci. Et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais me réjouir de l'excellent travail que nous avons mené depuis quelques années avec les APNM. Euh, travail en commun avec vous, euh, parfois en étroite collaboration, euh, euh, évidemment sur les premiers volets de la, de la NPRM, sur quelques euh, combats et initiatives que vous avez citées, comme le Val-de-Grâce, comme euh, le compte épargne euh, monétisé. Euh, je suis sûr que nous poursuivrons le travail ensemble sur le troisième volet de la NPRM. Bon, à la croisée des grandes problématiques que vous avez évoquées, à savoir le pouvoir d'achat, l'attractivité, la reconnaissance et la fidélisation, pour rejoindre les mots du commissaire principal Moulin, euh, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je voudrais faire des commentaires et, et vous poser des questions plus précises. Bon, alors, en matière de retraite, vous avez évoqué, c'est vrai, ce sujet qui, à un moment, devrait être traité, qui est le sujet de l'intégration des primes dans le traitement indiciaire. J'aimerais vous poser une question plus précise sur les carrières longues. Et. Euh, votre regard sur euh, l'intérêt euh, d'une suppression de la décote sur les carrières longues et de euh, l'accès euh, aux échelons exceptionnels. Parce qu'il me semble que c'est quand même un point important, euh, notamment sur le volet de fidélisation. Euh, toujours sur la fidélisation, euh, le, vous l'avez cité, la protection sociale complémentaire est un, un élément important. Pourriez-vous nous donner un regard plus précis sur des euh, volets particuliers de cette protection sociale complémentaire je pense en particulier à la prévoyance et à, sa, à la réforme qui est envisagée, et à la réforme également envisagée de la dépendance. Euh, enfin, de questions d'ordre plus général, euh, vous avez évoqué donc votre participation en tant qu'observateur à Euromil. C'est, je crois, une, une évolution et une avancée intéressante. Euh, comment vous euh, euh, défendez euh, ce sujet de la singularité militaire et comment vous percevez ce sujet dans l'évolution de vos relations avec les les grands syndicats, parce que ailleurs ce sont bien des syndicats dans d'autres armées, euh, par rapport donc, à, vos, à vos partenaires et à vos interlocuteurs euh, au plan européen. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui va de soi ou est-ce que euh, ça vous amène vous aussi à des réflexions sur votre propre rôle et votre évolution? Et enfin, question ultime, pour France Armement, question euh, pas facile. Euh, euh, Sensible, qui plus est, mais j'assume je, 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 de la poser et de la poser à, à vous parce que je pense que vous êtes les bons interlocuteurs pour ça. Euh, que pensez-vous de cette réforme, évidemment euh, complexe, euh, des corps de l'armement, euh, singulièrement s'agissant des IA et des IETA Je vous remercie. Merci pour toutes ces interventions et questions, mesdames et messieurs les représentants des APNM. Vous avez la, la parole et peut-être que je vous laisse vous organiser pour essayer de vous répartir les thématiques qui ont été abordées. Et je précise que nous aurons au moins deux questions complémentaires. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je vais, je vais attaquer par l'aspect rémunération. Euh, alors pourquoi j'attaque par l'aspect rémunération Parce que finalement, il y a un impact sur plein de sujets que vous venez d'aborder dans vos questions. Ça a un impact direct sur le recrutement, ça a un impact direct sur la fidélisation. Ça a un impact sur les carrières courtes pour ceux qui veulent faire une seconde carrière, notamment dans la fonction publique. Ça a un impact sur les pensions. Vous voyez, en fait, ça a un impact sur tout. Tout est lié. Alors, euh, juste un... Ça va me permettre de répondre directement à une question euh, concernant euh, l'aspect indiciaire et indemnitaire. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, on a eu le plan particulier carrière-rémunération. Qui avait été mis en œuvre non pas pour faire de la revalorisation indiciaire, mais bien pour pallier un déficit d'indiciaire chez les militaires en comparaison avec la fonction publique. Ils avaient, on avait trop d'indemnitaires par rapport à l'indiciaire. Le plan a été mis en œuvre une première fois, d'ailleurs avec, avec succès. Hein. Il, il faut bien le dire, les militaires, toutes catégories confondues, tout le monde était satisfait, puisque finalement, tout le monde était gagnant sur cette histoire toutes catégories confondues et arrive la NPRM la NPRM c'est quoi à 95 c'est de l'indemnitaire j'avoue très honnêtement avec un peu de recul mon incompréhension alors qu'il aurait été beaucoup plus souhaitable d'avoir une nouvelle politique de rémunération peut-être un deuxième plan transfert prime point qui aurait été beaucoup plus judicieux et certainement mieux accueillis, je pense, par l'ensemble des militaires. Ça, c'est. Alors, vous allez me dire, mais finalement, euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe ben, Sur le terrain, je vais parler de la fidélisation. Alors, l'actualité nous rattrape avec le relèvement du SMIC. Évidemment, les... ceux qui gagnent le moins chez nous sont les premiers touchés. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a des décrets qui sont en cours de validation pour faire remonter les grilles. J'espère dans l'urgence, pas que comme il y a quelques années, où on a payé nos militaires en dessous du SPIC dans l'indifférence la plus totale, il faut quand même le dire. Il n'y a que chez nous que ça, ça peut arriver une chose pareille. Mais euh, toujours est il que c'est arrivé. Et euh, aujourd'hui, comment vous voulez recruter quelqu'un quand vous allez lui dire écoutez, on vous recrute, je parle essentiellement pour les militaires du rang et les jeunes sous officiers qui finalement sont recrutés au même niveau, dans un premier temps. Donc si vous leur parlez de leurs dix premières années de carrière envisageables dans les armées, vous allez leur dire, on va vous former bien, vous allez prendre des compétences, vous allez prendre des responsabilités, vous allez pour certains commander, vous allez devenir des chefs d'équipe, alors ben, la personne, elle est ravie, dans un premier temps. Évidemment, il, va, il pense aussi à son aspect un peu personnel, voire familial, s'il est déjà dans un cadre familial. Il va dire :« Mais quelle est ma perspective de carrière sur le plan financier ?» Ben clairement, elle est nulle. Pendant les dix premières années de sa, sa, sa carrière, elle est nulle. Ça veut dire que pendant dix ans, ce qui correspond à peu près pour les contractuels à son deuxième contrat, vous comprenez bien que ça n'incite pas à en situer, euh, sereinement à en signer un troisième. Ça, c'est pour la première partie de carrière. Donc, on va dire, mais ce qu'il faut faire, il faut dynamiser la première, part, la première partie de carrière. C'est ce que je pense qu'on a tenté de faire dans le cadre de la NPRM, ce qui est une bonne chose. Mais si vous dynamisez trop tôt, derrière, c'est derrière que vous stagnez. Parce qu'on est clairement on est sous enveloppe constante. Donc, vous stagnez la deuxième partie. Et là, vous stagnez les brevetés, les brevetés supérieures. Mais les brevetés supérieures, c'est ceux qu'on essaye de garder le plus. C'est ceux qu'on envoie en opération extérieure. Donc on fait comment Et on est coincé par les grilles indiciaires puisqu'on relève par le bas. Là-haut, on est bloqué. Alors on est bloqué. Forcément, on est bloqué. Mais si on veut garder la cohérence du système militaire, c'est-à-dire que l'escalier social ait encore un sens, c'est-à-dire qu'un militaire du rang puisse devenir sous-officier, qu'un sous-officier puisse devenir officier. Il faut que les grilles gardent tout leur sens, ça veut dire qu'il faut que tout bouge en même temps. Sauf qu'en 2015, avec le PPCR, les seuls qui n'ont pas fait l'objet d'une revalorisation indiciaire, ce sont les officiers supérieurs. On a bloqué le haut. Alors comme on a bloqué le haut, eh ben, on a bloqué tout le reste. On les a oubliés, alors que le constat avait été fait à l'époque qu'ils devaient être valorisés. Mais l'étude interministérielle... Pour parler clairement avec un terme que tout le monde va comprendre, est tombé clairement aux oubliettes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été revalorisés. Donc on a bloqué tout le reste. Et c'est triste de, de, de le dire, il faut des projets de grille de gendarmerie, aujourd'hui, pour que tout le monde se pose la question mais comment on va faire la transposition euh, aux, aux sous-officiers des armées, comme le prévoit le Code de la Défense Parce qu'on n'a pas le choix. Heureusement, c'est prévu dans le Code de la Défense. Mais on est un peu coincé. Et c'est tellement vrai que ça prend toute sa valeur pour la reconversion aussi. Parce que forcément, il faudrait être complètement, je dirais euh, pas idiot, mais presque, pour penser qu'un jeune ne puisse pas partir au moment le plus favorable de sa carrière. N'importe qui dans le privé ferait exactement la même chose. Donc il y a des, il y a des endroits dans la carrière du militaire qui sont stratégiques. Où les grilles indiciaires doivent être complètement en phase avec les parcours professionnels. Parce que ça a des. Alors, c'est vrai pour les parcours professionnels, mais c'est vrai aussi pour le système des pensions. Avec le système à retraite à jouissance immédiate, eh ben, il y a des balises qu'il faut pas louper. Donc, faut être cohérent. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire brièvement sur les grilles indiciaires. Aujourd'hui, il faut retrouver de la cohérence dans ces grilles indiciaires. Et si on veut en retrouver. Eh bien, on n'a pas tellement le choix. C'est architecturé comme ça aujourd'hui. Il faut commencer par le haut pour faire de la place en dessous. On n'a pas le choix. Si on veut garder du sens à nos carrières de militaires et donner du sens et un sens d'une carrière future pour nos jeunes, il faut redonner de la cohérence dans tout ça. Tu voulais rajouter Hier, on, a, on a parlé euh, du rapport du Haut Comité qui vient de sortir. Il traite de la mobilité, mais euh, une des mesures préconisées dans ce rapport c'est bien de réfléchir à, à la cohérence des grilles. On doit s'appuyer aujourd'hui. Tout le monde a compris que l'enjeu, c'était, bon, NPRM, c'est très bien, je vous l'ai dit, ce n'est pas un plan de revalorisation de la condition militaire, c'est une manière de payer différemment les gens, mieux compenser les suggestions, mais c'est que justice, c'est que, que la normalité. Mais l'enjeu, il n'est pas là, ce que vient d'expliquer euh, euh, le, le Philippe, c'est exactement ça. Euh, le ne s'y est pas trompé, on a été auditionné la, la, la semaine dernière. Quand, quand on nous interroge sur la pertinence à avoir un modèle de grille indiciaire qui correspond aux armées, aujourd'hui c'est une absolue nécessité, je vous l'ai dit tout à l'heure. De... En fait, je, je, je... On, on essaye de le, de le dire de la manière la plus simple et, et claire possible, mais j'ai envie de vous dire que ça fait presque 25 ans qu'on le dit. Qu'il faut donner de la cohérence aux grilles. Le tassement de la grille, il y a dix ans, on savait déjà qu'il allait, ça allait être effectif. Maintenant, ça l'est vraiment, et, et, et on s'interroge. et Maintenant, il ne faut plus s'interroger. Maintenant, il faut poser un modèle de la fonction militaire. C'est pas rien la fonction militaire. C'est pas le parent pauvre de la fonction publique que ça a toujours été. Ça doit maintenant être, faire l'objet d'une attention particulière. Voilà, une vraie cohérence dans le domaine des grilles indiciaires est indispensable. Alors, concernant la PCS, c'est un sujet très complexe mais qui nécessite déjà de définir le cadre. Théoriquement, dans le modèle qu'on avait il y a longtemps, nous, avons, nous sommes en activité et pour le militaire qui est en action de dépendant, il n'y a que ce qu'on appelle l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Actuellement, on ne connaît pas l'architecture déjà entre les deux. Voilà, premier point. Donc déjà, il faudra clarifier. Voilà. Deuxième point, concernant la, la suggestion militaire. Nous, on n'a pas d'informations de plus que vous que sur la manière dont sont faits les appels d'offres ou les discussions. La difficulté qu'il y a, c'est qu'un certain nombre, nombre d'assureurs privés ont des produits compétitifs, mais qui sont compétitifs parce que généralement, ils prennent tout, y compris les plans d'épargne d'entreprise avec, voilà, ce qui n'est pas le cas des mutuelles militaires. Donc, alors, à moins qu'un qu jour, on nous vote un plan d'entreprise, et que je ne crois pas, voilà. Et après, resterait le contenu, puisque les carrières sont hachées, les vies changent ou autres. Et donc, en fait, il y a tout ce côté de vie de famille, parce que là, on ne prend pas en charge la fonction, on prend en charge la personne. Donc, actuellement, on a fait ce qui était le plus urgent, qui est la prise en charge des mutuelles. Voilà. Le reste, ça nécessite une réflexion de fond, qui, de mon point de vue, c'est quasiment un sujet de LPM, enfin, de, sur un, un vrai plan de conditions militaires à mettre dans les discours, la discours de, la, de la LPM. Ça ne se fera pas en appel d'offres de 18 mois, 24 mois. Voilà. Euh, après je vais répondre à une autre concernant les rapports globalement avec les collectivités locales. Alors étant, étant actuellement en, en poste en GSBDD, on a des demandes des collectivités locales pour mutualiser différentes choses. On a deux difficultés. Euh, le cadre juridique est très complexe. Donc il va falloir mettre en place un cadre juridique, juridique ad hoc. Euh, sur un point, j'ai essayé de m'y coller entre le code de la défense, le code des collectivités territoriales, euh, la préf un... un Excusez-moi, c'est un bordel. C est, c est, voilà, je, on peut on voilà. Donc à ce point-là. Deuxième point, il faut aussi que les collectivités locales soient claires. Il est compliqué de dire, il est compliqué dans un même temps de dire, j'aime, je veux des militaires chez moi, mais par la politique HLA et c'est l'enjeu et, et par l'usage du revenu fiscal de référence, l'enjeu c'est l'usage le, du revenu fiscal de référence. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à force de tout prendre dans le logement par le revenu fiscal de référence. Eh ben, on en arrive à ce que les militaires ne peuvent plus se loger, puisqu'en en fait, ils sont très dépendants de la situation économique de la zone dans laquelle ils arrivent. Et le dernier point sur lequel on avait demandé, en 2000, de 2008 à 2013, nous avons fait un certain nombre de rétrocessions au HLM avec des conventions. On n'a pas, donc, objectivement, on connaît pas, euh, on, 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 on voit les militaires partir des, des immeubles conventionnés, dont certains ont été payés par le PFP, donc c'est quand même pas mal. <laughs> Et, voilà. et le dernier point sur lequel il faut réfléchir, c'est la politique de l'EPFP. Actuellement, l'EPFP, euh, dans les normes que lui donne sa tutelle, ne peut pas vendre à perte. C'est-à-dire qu'on est un peu dans un système proactif, c'est-à-dire qu'il investit là où c'est déjà cher. Donc c'est sûr, bah, quand il investit où c'est déjà cher, bah, on ne couvrira jamais le besoin. Voilà. Si, si je complète très légèrement donc sur l'aspect euh, mobilité et logement. Euh, Très clairement, le militaire, il bouge régulièrement. C'est un état de fait. C'est une nécessité pour l'institution et c'est pas remis en cause. Simplement, à chaque fois qu'il bouge, il se retrouve dans une société qui n'a pas été prévue pour des gens qui bougent tout le temps. Aujourd'hui, l'accès aux soins, c'est pas, pas juste un problème. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, il n'y a plus de médecin. Récemment, j'ai été, été déplacé. J'ai voulu prendre un nouveau médecin traitant. C'est compliqué. Et j'ai fini par trouver un médecin traitant qui m'a dit « Surtout, vous dites pas que je prends d'autres patients ». Parce qu'ils se retrouvent débordés, les pauvres. Et ça, ce n'est qu'un aspect, parce que finalement, il y a aussi l'éducation. Quand vous revenez de l'étranger et que vous avez parcours sup à faire, on n'est pas nombreux dans les cas, mais, mais à chaque fois, c'est mis tout au bout de la liste. Est-ce que là-dessus, on ne pourrait pas faire un traitement individualisé Certainement. Donc, c'est l'aspect accès aux soins, accès à l'éducation, accès aux crèches. Vous en avez parlé, effectivement, c'est compliqué, parce qu'on arrive tardivement. Quelquefois, on a nos ordres de mutation qui arrivent tardivement. Bon, il y a eu de l'amélioration. Mais souvent, trouver des places en, en, en crèche ou en logement, c'est compliqué parce que c'est la dernière minute. Et donc, effectivement, trouver un point sur chaque lieu d'affectation qui pourrait servir de conciergerie, comme l'a comme expliqué le HCCM, ça nous semble un bon point d'accroche. Ne pas l'orienter uniquement sur l'aspect soins, uniquement sur l'aspect logement, uniquement sur l'aspect crèche, mais bien regarder l'ensemble de la problématique due à la mobilité, à l'emploi du conjoint, et ainsi de suite. Quand on lit le, le rapport, le, le dernier rapport du, du Haut Comité, à chaque fois, chaque année, euh, ces rapports sont une mine d'informations, c'est très objectif. Et, euh, et, on, et on salue chaque année le, la pertinence à avoir inscrit euh, en 2005 à la révision générale du statut le, la création de ce Haut Comité. C'est vraiment une, une très bonne chose. Mais bon, parenthèse mise à part, sur euh, ce, 11e, ce 16e rapport, euh, le, la partie, ce, ce qui frappe c'est qu'on euh, on pourrait penser que la mobilité est quelque chose qui n'est euh, pas, pas accepté par le militaire, ou qui, est, euh, qui, qui revêt une contrainte tellement importante que, euh, euh, bah, il est militaire, ça fait partie de son ADN, il doit être mobile, euh, voilà. mais quand on, on passe un peu ce, cette image-là, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Le militaire, il peut complètement être mobile, d'ailleurs il est mobile. Simplement, euh, il faut qu'il trouve un logement, faut il faut qu'il scolarise ses enfants, il euh, faut que l'emploi de son conjoint ben, soit, euh, soit, soit le mieux, le plus préservé. Euh, il faut que ce qui entoure la mobilité, l'exemple de cette année sur le relèvement des plafonds de, 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 de déménagement qui est arrivé, euh, arrivé euh, mi-juin, -ju, mi alors même que euh, tout le monde... Euh, alors même que que, que nos, la politique rh dans les armées a, a évolué et qu'ils essayent de sortir des extraits individuels d'ordre de mutation le plus tôt possible on se retrouve confronté à des problèmes qui sont d'un autre âge aujourd'hui c'est pas quelque chose d'acceptable et c'est ça qui fait que la mobilité elle est moins bien acceptée euh, pas parce que c'est la mobilité parce que, parce que le, le, le militaire à un moment donné il a le sentiment de, 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 de vraiment de la subir. Et or, dans l'exercice de son métier, on, 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 on s'est engagé, on sait qu'on est, on, on qu est mobile, c'est acquis. Après, quand on, quand on découvre la réalité de, de, de l'environnement, de cette mobilité, lisez le rapport. C'est édifiant. Voilà. Le chantier est immense. Voilà. Un, un de plus. Alors, la, la question, les questions globalement concernant le plan famille 2. Très honnêtement, comme l'a dit mon collègue, l'échantillon est tellement énorme que donner des axes, c'est impossible. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. On a une organisation sur le territoire national. Il y a des gens compétents au plus proche des besoins. Ça s'appelle le système des com-BDD, des GSBD, qui a beau être... On a pour l'instant, qui permet de voir les besoins, il faut, dans le prochain plan famille, il faut absolument responsabiliser au bon échelon. Qui est au enfin, vu, vu pour le poids qui est au minimum jaune, ce qu'on appelle l'échelon zonal, voire d'être capable de déléguer une enveloppe globale avec une logique de résultat où chacun va faire son va, va piocher dans différentes prestations et faire le plan adapté au plus proche mais il y a un point et là ils ne sont pas là sur lequel il a, parce qu'il y a beaucoup d'immobiliers qui va falloir se poser des questions c'est nos camarades du SID, euh, dans lequel ce qu'on appelle enfin l'échelon de plus proximité qu'on appelle les unités du service d'infrastructure euh, de défense qui sont en, bah, qui sont en surcharge. Là, typiquement, on vient d'avoir l'opération poignée de porte. Euh, J'en parle, c'est à la charge. tombe pour eux. Enfin, voilà, il y a des y a tombe sur eux. Sauf que fondamentalement, bah, ils sont comme nous. Ils sont en concurrence. Euh, trouver des, enfin, trouver des artisans qui vont répondre pour dépenser, euh, pour, pour dépenser. Après, bon, il y a d'autres problèmes techniques. Il y a aussi nos cycles de dépenses qui sont très longs. Enfin, voilà, on nous demande, on a l'argent maintenant pour dépenser dans un mois et on ne sait même pas si on pourra le faire. Donc, voilà. Donc, il faut arriver à déconcentrer le plan famille, quelles que soient les options, le déconcentrer au bon niveau pour donner au bon échelon. Il y en a, ça ça s'appelle le comité des soutiens locaux. Il voilà, se réunit régulièrement. Toutes les, toutes les unités, voilà, le com-BDD donne ses besoins. Chacun prend sa part, chacun le met dans son plan. Ça existe. Mais, faut Mais encore faut-il éviter de demander l'autorisation euh, et surtout d'avoir un budget global, pas des enveloppes, euh, pas des enveloppes segmentées. Voilà. Et alors, pour répondre à la question du député Larsonneur sur Euro -1000, alors déjà, je ne vais pas raser Talérence et quand, je, quand on va là-bas, je vous la connaissais. Quand, quand je me vois, je me désole. Quand je vois les autres, je me console. Voilà. Euh, et on, voilà. Donc euh, voilà. Très honnêtement, euh, nous, ce qu'on défend, c'est que déjà, on a quand même, on a, il est perfectible, mais on a un système qui est cohérent. Nous sommes une armée d'emploi avec une définition d'actes stratégique, un modèle RH, un modèle d'équipement. Donc, au moins, ça permet, ça donne une colonne vertébrale. Là, ce que les camarades européens ont beaucoup de mal à comprendre avec le concept d'armée d'emploi, c'est la limite d'âge. Puisque dans leur philosophie, beaucoup de pays européens, notamment nos plus grands alliés, un militaire est un agent public comme un autre. Voilà. Certains pays scandinaves parlaient d'une réforme de retraite euh, en unité de combat à 69 ans quand même. 69 ans en unité de combat. Alors, en quoi ça va nous porter et là, et là, je vais faire quelque chose qui va. Ça va nous porter du fait que si nous, si nous devenons de plus en plus de nations cadres au niveau européen, ça va impacter notre soutien. Parce que, y, comme ils sont syndiqués, certains pays européens. Mais je vais vous dire un truc tout bête. Certains pays européens disent un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner continental. Il faut lui permettre d'avoir tous les matins son. Voilà, alors j'enlève certains pays qui demandent de la bière à table, ça c'est une blague. Mais, ça, mais sauf que nous en soutien, c'est des normes de soutien que nous n'avons pas l'habitude. Voilà. L'autre point, c'est le soutien médical. Certains pays européens disent, comme mon, mon militaire est opération, il doit avoir accès à la totalité des panels de soins qu'il a accès en métropole. Donc ça veut dire pour nous projeter des dentistes, euh, des dentistes, euh, des kinés. Enfin, voilà. Donc... Euh voilà. Donc nous on défend le modèle militaire parce que quand on en a parlé, euh, on en a parlé, ils sont venus nous voir parce qu'ils nous ont dit mais comment ça se fait que la DETT, vous n'avez pas de montée au créneau Donc, on lui a... Et là j'en reviens avec euh, l'indemnité, on leur a expliqué que l'indemnité, l'ICEM, l'indemnité pour charge militaire, était une compensation forfaitisée de fait de cette exigence de travail, mais dans leur logiciel, c'est compliqué à comprendre. Voilà. Et euh, de l'autre côté, l'évolution des APNM, et là je ne parlerai que pour la comme <laughs> commissariat, pas mes camarades. On n'a pas vocation à devenir des syndicats à la mode européenne parce que nos homologues sont beaucoup plus larges que nous, parce qu'ils regroupent à la fois les associations de retraités et les familles. Donc ce n'est pas vraiment notre, notre modèle. Je, je vais revenir un, un tout petit peu sur le plan famille euh, en parlant de son financement. Ça me paraît une chose importante, puisque on parle d'un plan famille numéro 2. Ce serait peut-être intéressant de revenir un petit peu sur le plan famille numéro 1. Euh, déjà, le plan famille numéro 1, il y a plein de mesures. Il suffit de regarder sur les sites des mesures du plan famille. Il y en a, mais on n'est pas loin de la centaine de mesures. Mais la seule qui, elle, toute seule, prend 80% du budget, c'est le logement. Donc dépend comment par quel bout on le prend le plan famille. Alors concernant les crèches, moi je peux vous le dire hein, sur le terrain, s'il y a un sujet où c'est accueilli très favorablement dans le plan famille numéro un, c'est bien le sujet des crèches. Ça c'est un sujet, l'ensemble des militaires ont bien senti l'effet immédiat sur les crèches. Ils l'ont moins senti sur le logement, mais c'est tout à fait logique, puisque le logement forcément c'est du long terme, c'est beaucoup plus long. Les effets sont beaucoup plus longs à être constatés sur le terrain. Maintenant, quand on parle du logement et de voir comment ont été faites les mesures du plan famille sur le logement, en fait, on n'a rien inventé. On s'est contenté de copier ce qu'avait déjà fait le conseil d'administration de l'établissement des fonds de prévoyance. En fait, je remets un peu d'histoire, excusez-moi, mais en fait, au départ, pour faire très court, 500 millions d'euros inactifs qu'il faut investir pour faire fructifier l'argent journée militaire. Traditionnellement, qu'on faisait travailler sur du marché obligataire sécurisé, qu'à 90% européens, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Donc on est sur du marché sécurisé, avec l'évolution du contexte international, avec des taux presque négatifs, donc qui ne rapportent plus faut penser à d'autres solutions pour faire fructifier cet argent. Et le PFP avait pensé justement à acheter des logements en donnant l'usufruit à une société et on en donne l'usufruit tout en fixant des loyers adaptés aux militaires. On donne l'usufruit pour 25 ans et au bout de 25 ans, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait On revend et on ne fait une plus-value ou alors on resigne le contrat. Et en fait, fructifier l'argent des militaires. Là, je rejoins les propos de mon camarade. Évidemment, on a acheté dans des zones où on était sûr de faire de la plus-value. On n'est pas allé acheter dans des endroits où on savait que personne n'allait habiter. Donc, il fallait penser à ce système-là. Alors, on a investi de l'argent dans le cadre du plan famille. C'est plus sous la, sur la forme, c'est sans une certaine transparence. C'est ce que je reproche au plan famille numéro un c'est le manque de transparence sur l'utilisation de ces fonds. Pas sur le, le, le but recherché, parce que le but recherché pour améliorer le logement des militaires, mais évidemment que c'est une bonne chose. Tout le monde est ravi, on améliore le logement des familles des militaires, tout le monde est ravi. C'est plus sur une histoire de transparence. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'histoire nous a rattrapés. Depuis le marché obligataire, il a fait l'effet inverse, depuis le Brexit, et encore plus depuis le conflit avec l'Ukraine. On est passé sur des, des taux qui sont montés à 4,2. Donc, ça veut dire que, en fait, le marché obligataire est devenu plus intéressant que d'acheter du logement. Donc, vous voyez, et n'oublions pas que la mission permanente et prioritaire de l'établissement des fonds de prévoyance, c'est bien de faire de la prévoyance au profit des militaires. Et quand on connaît le contexte international actuel, je touche du bois, il faudrait ne pas en avoir besoin, vous voyez, à très court terme. Parce que le but. Des fonds de prévoyance, c'est bien d'indemniser les ayants droit et ayant cause immédiatement en cas de décès ou d'infirmité. Ne l'oublions pas, ça. C'est vraiment le but premier. Donc il faut vraiment qu'un argent minimum. Donc vous voyez, la politique d'investissement en matière de logement, si ça doit venir de nouveau de l'EPFP, ça demandera, à mon avis, une réflexion, une stratégie à long terme. On n'est pas sûr d'ailleurs d'avoir tous les éléments pour être certain de pouvoir encore avoir une stratégie qui soit qui tienne la route, parce qu'on a toujours l'incertitude du contexte international. Je voulais, je voulais ajouter ce point-là sur le, sur le plan famille. Euh, concernant la, il y avait une question sur la reconversion aussi. Oui. Euh, alors sur la reconversion, la reconversion, elle est très différente selon le, la catégorie de militaire à qui on s'adresse. Généralement, l'officier de carrière et le sous-officier ancien, il la prépare bien. Parce qu'il connaît bien tous les rouages, il a eu le temps de bien conna... Il la prépare bien. Les jeunes, c'est plus compliqué. D'abord parce que c'est une génération nouvelle euh, qui ne raisonne pas de la même façon. Euh, ils sont plus dans l'instant, comme ça. À, à des... Donc, ils n'ont pas toujours toutes les armes. La connaissance des armes à, la dispo, à leur disposition pour préparer au mieux leur reconversion. On voit clairement sur le terrain des jeunes qui s'en vont juste avant l'RJ, là. Ils veulent faire des reconversions dans la fonction publique. Ils n'en connaissent pas un quart. Ou alors ils s'y sont pris trop tard. Ils n'ont pas toujours toutes les. Donc ça demande, à mon avis, euh, un effort de diffusion de l'information vers ces jeunes pour leur expliquer ce que c'est. Parce qu'ils n'en connaissent pas toujours les avantages, généralement ils les connaissent. Ce qu'ils connaissent moins bien, c'est les contraintes. Ce qu'ils connaissent moins, c'est les contraintes, par exemple, d'une deuxième carrière dans la fonction publique territoriale, où ils ne sont pas toujours préparés psychologiquement à ce que la mairie, la future mairie d'emploi, va les prendre à un indice inférieur à ceux qu'ils détiennent. Pourquoi ben Forcément, c'est la commune qui paye. Ils ont tout intérêt à les reprendre à l'indice le plus bas possible. Donc, euh, mais ils ne sont pas toujours prêts et ils n'ont pas toujours la connaissance fine de, ces, euh, euh, de tous ces éléments dans le cadre de la reconversion. Euh, pour les officiers, je suis moins inquiet. Mais je dirais que ceux qui veulent faire des carrières courtes, je pense qu'il faut mettre peut-être en place euh, des dispositifs de reconversion qui soient plus adaptés aux carrières courtes. D'ailleurs, les gens qui ont rempli leur contrat, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye avant tout dans les armées, c'est au moins de fidéliser jusqu'à la retraite à liquidation immédiate. Déjà le, si on arrivait déjà à faire ça, ce serait bien. Mais si on veut faire ça et les garder jusqu'à la retraite à liquidation immédiate, il faut leur mettre un dispositif qui soit cohérent à ce moment-là de la carrière. Et J'insiste bien, avec des indices de solde qui soient en adéquation avec ce parcours de carrière et une carrière courte. Oui, sur la, pour, pour répondre euh, sur la question de la NPRM, euh, bon, j'ai écouté l'audition euh, du, euh, du CSFM où, où ces questions avaient été. Euh, aussi posé et, et j'ai écouté les réponses. Euh, je, vous, je vous dirais que la forfaitisation, aujourd'hui, on la pointe du doigt parce qu'on ne travaille pas forcément pour nous, on travaille pour demain. Euh, après, aujourd'hui, elle est favorable. Quand on, met, quand on met ça sur la table maintenant, on aligne plutôt sur les forfaits du haut. Donc, euh, c'est une mesure qu'on qu qu stigmatise, qu'on qu critique un peu. Euh, mais, mais on, on a l'expérience de cette ITAOPC. Ce n'est pas sérieux, l'ITAOPC. Hein. Euh, 85, je vous le dis, euh, on, sait, on sait plus comment le dire, mais, mais si, 85 euros en 2002, 20 ans plus tard, c'est toujours pareil. On parle là d'une journée de travail payée pour tout le monde, pareil, dans les armées. Je ne sais pas, ça peut interpeller quand même sur, sur, sur le, en termes de conditions militaires. Ça, peut, ça interpelle. Donc, forcément, quand on parle de forfait, on a cet exemple-là, on sait que c'est favorable au départ, mais on est obligé de pointer du doigt et, et d'enfoncer le clou pour dire attention, OK, le CSFM a fait mettre une clause de revoyure, c'est très bien, on y souscrit pleinement. Mais, euh, mais mais il faut que cette clause de revoyure, elle ait un sens. C'est-à-dire que quand on le revoit, on ne se dise pas, euh, finalement, peut-être que depuis 2002, on le revoit tous les ans. Et puis tous les ans, on se dit, ben ouais ça coûte cher. c'est Et puis, on ne fait pas l'effort. Et puis, et puis, on a beau le revoir, euh, ben finalement, on le revoit 20 ans après euh, au même montant. Et, et là, euh, la NPRM, elle, elle, elle a plus de sens. Donc, c'est pour ça que on évoque ce sujet-là. Mais Mais sur la mise en place, ça reste favorable. Euh, sur la fiscalisation de, de l'IGAR, bon ça c'était annoncé dès le départ. Hein. Euh, à l'ouverture du chantier, euh, la ministre de l'époque avait dit euh, :« euh, Vous devez contribuer à la fiscalisation. Euh, on va faire une réforme. On va mettre une enveloppe. » La contrepartie de cette enveloppe, c'était euh, la fiscalisation de, de ce qui était pour nous quand même depuis, euh, de, depuis, des, depuis toujours. Sacré euh, quoi. Euh, L'indemnité de charge militaire, euh, défiscalisée, c'était l'ADN du militaire. Ça représentait euh, finalement une, une reconnaissance un peu de la nation que de ne pas fiscaliser cette indemnité parce que, voilà, parce que euh, le métier de militaire il était, il était, il était particulier et il l'est toujours. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que la mise en place de l'IGAR, euh, en première lecture, c'est alléchant. C'est euh, pour euh, tout le monde. Est, euh, donc euh, ça ouvre euh, le champ des possibles euh, euh, pour tous les personnels. Et, et, euh, et donc euh, même si la fiscalisation fait rêver personne, la fiscalisation, elle, elle génère de l'insatisfaction de manière très claire. En plus, on n'en maîtrise pas complètement tous les paramètres puisque chaque foyer étant, euh, étant forcément particulier au regard de l'impôt. On ne sait pas quel est l'impact que ces fameux effets de bord hein, qu'on évoque depuis, euh, depuis le début. Euh, mais bon, je vous disais tout à l'heure que ce n'est plus un combat. Euh, si l'IGAR doit se faire, elle se fera euh, avec, euh, avec cette fiscalisation. Et, et, euh, et c'est pour ça que je rappelle que ce n'est pas un plan d'amélioration de la condition des militaires, ce n'est pas un effort de l'État. Euh, ok, plus de lisibilité, euh, plus de. De cohérence, tout, tout ce que vous voulez, mais, euh, mais en contrepartie à cette fiscalisation qui n'est pas neutre. Euh, et je vous le dis, euh, le, cette réforme de l'IGAR, forcément, elle, 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 est, elle est concomitante à, à l'indemnité de l'État militaire, à la réforme de l'indemnité de l'État militaire et son complément. Et on en revient sur l'État OPC, mais bon, j'étais assez lourd. Je ne vais pas vous le redire. Euh, sur l'indexation dans la 3PM, euh, je vais vous euh, très, de manière très franche, je, je, c'est pas quelque chose qui appelle des remarques euh, chez nous, aucune. Sur la sur la la 3PM, il euh, y a un vrai débat sur le fait que ça concerne pas les militaires du rang, ça c'est un vrai débat. Euh, maintenant en gestion, en, en, en gestion, euh, euh, il, il est recherché quand même euh, une dynamisation de leur parcours et notamment de leur, euh, leur attribution d'un d'un brevet qui leur donne accès à l'échelle 4 plus pour compenser le fait que, que finalement, ils n'ont pas de borne dans cette, dans cette 3PM. Mais sur l'indexation, ça n'appelle vraiment pas de remarques. Je, je suis preneur, si vous avez vraiment des, des points précis, mais, mais moi, je n'en ai pas. Et, euh, et sur la PCS 1000, euh, sur la PCS 1000, j'ai l'impression que c'est... Oui, le CSFM a fait des propositions sur le sujet. Il a, il a bien montré que des, des spécialités n'étaient pas concernées au départ. Euh, là encore, chez nous, ça ne fait, ça fait pas de débat. Je, je vous le dis, euh, je, je peux pas. Je, ça ne fait pas de débat. C'est plutôt bien perçu. Euh, Peut-être parce qu'on est moins concerné que d'autres. Mais. Euh, mais le CSFM s'est vraiment exprimé sur le sujet et, et c'est qu'ils ont dû y, y travailler et avoir des remontées de terrain qui, qui posaient problème. Mais c'est pas c'est pas le cas chez nous. Nous, le, le, pour le coup, la 3PM et la PCS1000, on l'appelle pour les aviateurs en tout cas, on l'appelle de, de nos voeux. Et vous avez parlé de l'ISAO. Je vais je vais donner la parole à, à mon collègue de la Marine. Chez nous, l'ISAO, elle est la, mi la mise en œuvre, elle est mitigée. Il y a des sacrés avancées, hein, puisque nos commandos parachutistes et nos personnels navigants euh, qui euh, bah, n'avaient pas de euh, compensation de leur suggestion d'absence, maintenant, euh, ils l'ont. C'est-à-dire que quand nos commandos parachutistes vont euh, se préparer euh, pour partir en opération et, ben, et qu'ils ne sont pas chez eux, et ben, ils perçoivent l'ISAO. Avant, ils ne le percevaient pas. Donc, ça, c'est bien. Après, dans la, dans la mise en œuvre, euh, c'est euh, sous enveloppe c'est toujours compliqué. Toujours des choix qui sont faits. On, ça s'est mis en place très très vite et, euh, et c'est vrai que ça, ça génère un, un mécontentement, mais qui est, qui est de plusieurs natures. Voilà, des gens qui ne euh, bah, touchent plus, euh, qui touchent plus ça parce qu'il n'y a plus de suggestions, euh, d'autres euh, qui voudraient toucher plus, euh, d'autres qui euh, qui, euh, qui ont des problèmes parce que euh, la mise en œuvre elle est compliquée et que, et que sur euh, sur les bases aériennes bah, il faut le saisir et, et vous savez ce que c'est hein, les indemnités une fois que vous avez euh, une fois que vous avez fait la mission euh, il, il est assez difficilement euh, acceptable que vous soyez payé euh, quatre mois après ça c'est pas bien mais, euh, mais globalement globalement ça reste euh, une mesure qui est euh, qui, se dé, qui se déploie voilà qui se déploie avec des avantages, des inconvénients, euh, mais l'ensemble est quand même plus lisible. Voilà, l'ensemble de NPRM est plus lisible. Sur, pour le cas des fusiliers marins qui a été remonté très tôt hein, sur Lisao, en fait, c'est lié au fait de la manière dont sont faits les blocs NPRM. Lisao, comme le disait mon camarade, prend bien des suggestions liées aux opérations, et en fait. Un certain nombre de missions qui avant étaient prises sous l'ancien régime, qu'on appelait les ISC ou autres primes, doivent être prises en compte dans l'IUM, qui n'existe pas encore. Voilà, c'est la question. Alors après, j'aimerais remonter un peu sur une question sur l'attractivité. Alors c'est une phrase que tous mes interlocuteurs me répondent Attention, interarmée, ça ne veut pas dire tout faire comme l'armée de terre. Voilà. Ce que je veux dire par là, j'appelle votre attention sur le fait est que oui, l'armée de terre est l'armée la plus nombreuse. Oui, elle est dimensionnante, mais elle est aussi celle qui a le plus fort taux de rotation. Donc, certaines remar enfin, dans les, dans les, je dirais, dans les chiffres globaux, euh, un, une difficulté pour l'armée de terre n'est peut-être pas une, une difficulté pour une autre armée. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre, les, reprendre ces sujets RH euh, chaque armée. Par exemple, dans les, chaque armée, pour les militaires du rang, a des politiques différentes. Certaines armées vont, voir, vont vouloir les garder le plus longtemps possible. D'autres armées vont vouloir leur dire, bah écoutez, moi je les use un certain temps et puis euh, voilà. Et d'autres vont être entre les deux. Pourquoi pas Pourquoi pas hein Et là, ça, votre, votre remarque me fait rebondir sur carrière longue et chance exceptionnelle. Il faut être très clair. Si une réforme, de, si une, si une réforme militaire, une retraite tapée dans les limites d'âge, bon, notamment d'officiers supérieurs, je vais parler pour ma boutique, voilà, voilà. Un critère d'accessibilité la pour l'anémie serait le décontingentement des échelons exceptionnels. Voilà. Pour, parce que pour éviter de saturer, de, de saturer les pyramides. Et pour revenir à ce que disait le major et redonner un peu d'espace. Ce qui n'enlève pas le problème, disait le major, c'est que même si je, pas les, si je décontingente les échelons exceptionnels, j'aurai toujours un problème de lisibilité de, de, de grille à la fin. Oui. Je, oui. Euh, je profite juste de l'occasion euh, du contingentement pour vous dire que s'il y, y avait une mesure qui serait particulièrement bien perçu par les, pers les personnels qu'on cherche à fidéliser aujourd'hui. Le cœur de cible, toute armée conf confondue, les brevetés supérieures, c'est bien le décontingentement, le, le décontingentement de la prime de qualification supérieure, proposée par les gendarmes. Ça, c'est une réelle mesure de fidélisation. Parce que là, réellement, au lieu de la donner... Le PQS, il faut, faut appeler un chat un chat, hein, une prime de qualification supérieure pour un sous-officier supérieur, un jeune qui a environ euh, une trentaine d'années en moyenne, c'est 200 euros. Vous voyez que ce n'est pas négligeable sur le plan du pouvoir d'achat. Mais au lieu de vous la donner à 14 ans ou 15 ans d'armée, vous lui la donnez à 12 ans, aux conditions statutaires, juste au moment où justement vous voulez le garder. Donc ce serait, s'il y a une mesure qui serait particulièrement intéressante, c'est bien de déplafonner, euh, dé, euh, décontingenter cette DQS, et alors pour ceux qui sont juste après pour les garder, il faut décontingent, déplafonner, la déplafonner. Aujourd'hui, la PQS, elle est plafonnée à un indice de mémoire de grade d'adjudant. Il faudrait la déplafonner et là, vous allez garder ce qui vient après. Vous voyez Ça, c'est deux mesures d'attractivité avec des effets immédiats. Pour, pour, répondre, pour répondre à la question du groupe Horizon, sur, euh, ouais, je, je, je suis entièrement d'accord hein, euh, sur le travail euh, qui, est, qui est conduit avec... Euh, avec les associations professionnelles, nationales, militaires. Hein, chacune d'entre elles a, a un ADN bien particulier. J'en profite pour dire ici, parce que c'est toujours mieux quand c'est précisé, euh, que l'APNER, nous, on ne fait pas partie de l'union des APNM. On, on se développe selon un, un mode de, de fonctionnement, un état d'esprit euh, qui, euh, qui est vraiment très, 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 très identitaire. Et, euh, et on ne fait pas partie de, de l'union des APNM. Et, et à dire vrai, euh, c'est vraiment euh, Euromil, euh, les syndicats, ça, le, les APNM, c'est 2016. C'est jeune encore. C'est en train de se développer et, et ça ne peut se développer que comme, comme on le développe aujourd'hui, sans prétention. Euh, je pense que l'état d'esprit dans lequel on, on, on agit tous... Et le bon état d'esprit, c'est celui que le, les APNM, les militaires n'en voulaient pas. Hein, on, le, on le redit à chaque fois, ils n'en veulent toujours pas d'ailleurs. Euh, des syndicats. Ils, mais ils n'avaient pas demandé les APNM. Euh, ça s'est imposé. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire fonctionner quelque chose qui serait complémentaire de l'existant. Euh, ben on pense que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pour ça que, que je réponds au, au groupe Horizon sur le sujet. Et je considère qu'effectivement, le, le travail, il est, euh, il est assez efficace. Et concernant les, les carrières longues, les retraites, les suppressions de la décote, les échelons exceptionnels, je, la, la décote, notamment pour la, le personnel officier, les décotes, puisqu'il puisqu y, y en a deux, comme pour les sous-officiers, mais celle des, des, des officiers vient, vient après. Et bien souvent, les officiers sont confrontés à une problématique qui est qu'ils sortent sans sortir de leur décote carrière longue, c'est-à-dire. Avant d'avoir 29 ans et demi, ils basculent, ils ont plus de 52 ans. Ce qui fait qu'en réalité, ils sont tout le temps des côtés. Voilà. Bon, ça, c'est une anomalie qui, je pense, dans le cadre de, cette, de la future réforme, devrait être, devrait être étudiée. La décote, ça date de 2006 pour la première, c'est la réforme de 2003. C'est mis en place en 2006, et en 2006, comme ça ne concerne personne, finalement, euh, personne n'en parle. Et, euh, et sauf que 20 ans plus tard, euh, enfin, quinzaine d'années plus tard, les premiers sont concernés et ils découvrent ce qui était finalement au cœur du, du sujet en 2006. Et ça les surprend. Voilà. Donc si on peut s'appuyer sur la future réforme pour, pour corriger ces, ces anomalies... Il y, en a, il y en a plusieurs, hein, mais c'est pour ça que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais, mais vraiment, on est à disposition pour évoquer avec vous euh, des points très particuliers. Vous savez, ça nous remonte euh, de, du terrain euh, et, euh, et, et on a vraiment des cas euh, complètement atypiques à, à remonter, à relever. Et, euh, et vous seriez surpris et, et ça, 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 vraiment, ça abonderait vraiment, vraiment vos, vos réflexions. Voilà. Alors moi, je vais juste prendre la question sur les corps, plus particulièrement des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques de l'armement. Euh, Aujourd'hui, euh, pour les ingénieurs de l'armement, le système il est plutôt apprécié. Après, euh, il ne faudrait pas que les ingénieurs de l'armement passent à côté d'opportunités euh, qui seraient nuisibles à l'attractivité et à la fidélisation dans le corps, parce qu'on a les mêmes problématiques que, que les autres militaires. Et puis il y a le, le, le risque sur le statut. Il y a, on entend parler de différentes choses, et notamment que ce serait un corps unique sous statut civil. Euh, donc il y a quand même un, un attachement des ingénieurs de l'armement à leur statut militaire ou lien avec les forces plus opérationnelles, on va dire que que, que l'armement, et euh, à mettre en regard de, les opportunités que ça pourrait créer euh, à la fois d'un point de vue probablement rémunération, mais aussi euh, euh, alors, je, je dirais, et c'est n'est c'est pas un terme très, très, très joli, mais le fait d'ouvrir des opportunités de poste dans d'autres, dans d'autres institutions, dans d'autres services que la direction générale pour l'armement, là où on est principalement employé aujourd'hui. Donc ça, c'est pour, le, pour les ingénieurs d'armement. Pour les ingénieurs des études et techniques de l'armement, il, il y a vraiment un mal-être euh, qui se ressent aujourd'hui. Euh, pour eux, ils ont du mal à trouver leur place entre d'un côté les ingénieurs d'armement, de l'autre côté les officiers des forces, les ingénieurs civils, fonctionnaires ou Contractuels, et ils ont l'impression d'être assez largement dévalorisés, délaissés. Euh, et donc, c'est chez eux que les problèmes de fidélisation et de motivation sont, à mon sens, les, les plus importants. Le, dans la situation actuelle, je pense que ça va être difficile d'imaginer une solution, enfin de, de travailler sur le devenir de leur statut tant que la question du statut des ingénieurs de l'armement n'aura pas non plus été euh, tranchée. C'est un, un jeu qui est euh, avec des dépendances fortes. Voilà ce que je voulais dire. De mémoire, il y avait une question sur les réserves au service de santé. Alors, je, je suis... Je... Je n'ai pas la prétention de bien connaître le service de santé des armées. En revanche, je connais parfaitement un exemple qui va vous donner euh, des axes d'amélioration possibles avec des effets immédiats. Euh, au service de santé des armées d'unité présent sur une base aérienne, vous avez à la fois du personnel de santé et des auxiliaires sanitaires qui sont des, des militaires du rang qui, eux, ne sont pas du service de santé, mais de l'armée d'appartenance. Jusque-là, tout va bien, tout fonctionne normalement et tout le monde est content sur le terrain. Arrive le moment où ce militaire durant arrive à 17 ans et veut se reconvertir. Tout naturellement, il va se tourner vers le service de santé, puisque c'est ce qu'il a fait pendant toute sa carrière. Sauf que, il ne peut pas intégrer le service de santé en tant que réserviste. Parce qu'il ne détient pas les diplômes et les prérequis du service de santé. Ça veut dire qu'il a fait ça pendant 17 ans, il veut faire ça en tant que réserviste opérationnel, et il ne peut pas parce que la législation lui l'interdit. Premier, vous voyez, le couac sur le service de santé, alors que comment se tirer tout seul une balle dans le pied Voilà, ça c'est un bon exemple. Euh, et puis juste une réflexion d'ensemble sur les réservistes. Euh, parce que j'ai bien entendu le discours euh, du chef des armées, euh, et euh, notamment l'augmentation, le doublement du nombre de réservistes. Les doubler, à mon avis, déjà dans toutes les catégories, ça ne va pas être aussi simple qu'on pourrait le croire. C'est déjà très difficile aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le milieu aéronautique, de trouver des réservistes militaires du rang, parce qu'on marche à l'inverse. De l'attractivité du privé. Plus le privé est attractif, moins on a de chance d'avoir de réservistes. Alors, ce qui est encore pire, c'est les effets désastreux. C'est-à-dire que c'est bien de doubler les effectifs de la réserve. Encore faut-il avoir l'argent et le budget pour les convoquer après, parce que, de la même manière, confrontés sur le terrain, vous les formez, ils sont ravis. Et l'année suivante, ils pensaient être convoquer, comme vous n'avez pas le budget, vous pouvez pas les convoquer. Et vous venez de tuer d'un seul coup une vocation qui était, nu, qui était née chez les jeunes, qui en plus, faut quand même pas l'oublier, pour la plupart sont étudiants. Euh, C'est-à-dire que vous, vous tuez une vocation tout de suite dans l'œuf, parce que uniquement vous n'avez pas les finances pour pouvoir les convoquer derrière. Donc c'est ce que je voulais dire, mais ça me paraissait être un point important aussi pour l'attractivité des réservistes. Dirai aussi le dernier point attention sur la vitesse de doublement des, ré des réservistes, puisque là je vais parler pour la boutique, c'est l'AGC qui, qui les prend. C'est-à-dire le enfin la, la, la structure de soutien de permanente, qui est, qui est, qui est, déja, qui est déjà taillée au plus juste pour les unités opérationnelles. Donc quand on va, quand on va mettre en place, enfin les plans de, il faut faire, je reviens sur ce qui m'agor, c'est un plan complet, c'est-à-dire que quand on en bouge, il faut avoir la date, l'argent. Son équipement, disposé, enfin son équipement, parce qu'on perd aussi des réservistes, parce qu'on met six à huit mois pour les équiper. Euh, voilà l'équipement et toute la structure de soutien de vie courante qui va avec. Et comme ce n'est pas un public résident, il va falloir trouver aussi se réfléchir sur la notion de l'utilisation d'Internet, c'est-à-dire d'être capable de trouver avec nos systèmes des interfaces qui permettent à un réserviste d'être en contact avec son unité, Directement. Donc, euh, je dirais que euh, euh, l'objectif est euh, passionnant et très, mais faut, euh, je dirais que là, il va falloir euh, bien mettre tout d'équerre pour ne pas arriver. Dans les APNM, on a des réservistes. Hein. On, a, on a aussi des réservistes, c'est ce qui nous remonte. Et moi, je veux bien être réserviste, mais euh, je gère une bêtise. Quand il changent d'unité, un réserviste qui veut changer d'unité, même au sein d'une même armée, hein, c'est la, la, la croix et la bannière. Ou un réserviste, typiquement, le paiement des repas, ça a l'air tout bête. Bah, nos systèmes ne prévoient pas qu'un réserv... nos, nos qu réserviste soit abonné en permanence dans un cercle. Voilà, c'est un exercice. Voilà. Il ne reste encore trois questions. Alors, sur le réserve, simplement, une petite réaction à chaud, comme c'était le dernier sujet. Le... Je pense que tout le monde a bien conscience, comme pour les militaires d'actifs, de l'approche globale qui est nécessaire. Je rappelle juste que le budget de la réserve a été considérablement augmenté ces dernières années. Enfin, euh... moi, j'étais rapporteur du budget de l'armée de terre et et j'ai vu cette augmentation. Et que pour le point que vous indiquiez sur le contact numérique des réservistes qui sont en dehors d'Intradef, il y a un système d'information qui existe qui s'appelle « Réservistes opérationnels connectés », ROC, dont c'est justement l'objet pour les personnels non résidents de planifier les activités. Système d'information qui est développé d'ailleurs en grande partie par des réservistes. Très bien. Il nous reste trois, trois questions. Euh, on va commencer par celle de Michel Martinez. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Présentants du APNM, tout d'abord, merci pour votre travail et votre engagement dans la quête de l'amélioration de la condition militaire. C'est un travail fondamental. Donc, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Donc je pensais que le chantier était important. Là, vous nous avez appris à quel point il y avait plein, plein de choses à faire. J'ai deux questions plutôt courte, mais qui ouvre à des réponses larges. Donc la première, avez-vous été consulté pour la rédaction de ce projet loi finance pour tout ce qui concerne justement la condition militaire Si oui, est-ce que vos avis, vos recommandations ont été prises en compte La seconde, en vue de la loi de programmation militaire, quels seraient selon vous les moyens supplémentaires à mettre en œuvre afin d'améliorer les conditions des militaires Je vous remercie. Merci, la parole est à Franck Giletti. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, Messieurs, euh, merci pour vos, votre discours de vérité, ça fait du bien, euh, comme quoi les, les remontées terrain ont fait rien de mieux, et euh, merci d'avoir pu parler euh, librement euh, ce soir. Ma question s'adressera plus particulièrement à la PNR, car dans le cadre de, de la rédaction du rapport pour avis que je présente ici demain d'ailleurs, eu égard au budget alloué à l'armée de l'air pour l'année 2023, il me paraît pertinent et même primordial de connaître votre avis sur le budget alloué au plan famille. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais si on peut avoir quelques précisions. En effet, on observe depuis quelques années une sédentarisation des militaires qui deviennent de plus en plus réticents à toute forme de mobilité, contrairement à ce que pouvait être constaté par le passé. Pour les encourager dans leur carrière, mais aussi afin de fidéliser nos soldats, c'est un vrai questionnement, il nous faut impérativement prendre conscience du fait que derrière un militaire, il y a souvent, voire toujours, une famille, un conjoint qui travaille, des enfants scolarisés, on l'a évoqué encore une fois, et parfois même des proches à charge. À cet égard, le PLF 2023 semble attribuer au plan famille 119 millions d'euros. Comment ces crédits sont-ils répartis et cela vous semble-t-il suffisant Merci, messieurs et madame. Et enfin, la parole est à un ancien militaire, Yannick Chenevar. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Euh, simplement, euh, peut-être pas forcément une question, mais euh, vous avez soulevé un élément important dans la vie du militaire qui est la notion de logement, les loyers ou l'achat et la mobilité. Et notamment, euh, quelqu'un a évoqué euh, les notions d'office de public d'HLM. De, il y a un frein que vivent les collectivités et qui peut expliquer pour partie les difficultés que vous venez d'évoquer. Il est extrêmement simple. La loi SRU qui impose un pourcentage de logements, donc globalement c'est soit 20, soit 25 elle n'intègre pas les logements militaires. Et donc forcément. Et là, c'est le Toulonnais qui vous parle, puisqu'on a des centaines et des centaines de logements militaires. Ces, ces logements ne sont pas comptabilisés dans le pourcentage de la loi SRU. Ce qui fait qu'en réalité, les OPHLM, ils n'ont pas forcément intérêt à rentrer dans la boucle d'avoir du logement social, puisque, j'allais dire, globalement, 80% des militaires, si ma mémoire est bonne, sont éligibles au logement social. Donc voilà, c'est un élément important dont on pourra peut-être un jour se saisir, et qui est sans doute une anomalie qui fait qu'à un moment donné, les collectivités, elles préfèrent travailler sur les OPHLM, sur le logement classique, plutôt que de participer à du logement marine. Ou militaire, excusez-moi. <laughs> Vous avez compris. Ça, c'est ça, c'était l'histoire qui reprenait le, le dessus. Moi, c'est les, les sur le plan. Messieurs de, le plan les représentants de des APNM, donc vous avez le, la parole pour répondre à non. ces quelques non. questions. Je, je pense qu'on va le faire à plusieurs voix, pour que ce soit plus, plus, plus collégial et plus complet. Euh, la priorité pour les militaires, j'ai envie de vous dire, les militaires n'échappent pas à la moyenne nationale. Nous sommes exactement le reflet de la société. À la fois, j'ai envie de dire, qu'à regarder l'actualité, dans le meilleur, quelquefois c'est regrettable, dans le pire. Mais nous sommes le reflet de la société. Et avec les mêmes priorités que tous les Français. Première priorité, rémunération, le logement, comment loger sa famille et les conditions de travail. On n'échappe pas à la moyenne nationale. Une fois que le plan famille il est sur ses trois priorités, on est sûr d'être sur les, les, les j'ai envie de dire, les desiderata de tous les militaires. Nous sommes le reflet exact de la société. On ne peut pas se tromper quand on est, est là-dedans. Si on est sur des détails, on sera comme dans les autres, les autres domaines de la société. Mais eux, ils ont exactement les mêmes priorités. J'ai envie de dire que l'accent doit être mis là-dessus. On est comme les autres. On est, et, et je pense que... J'ai envie de dire, nos jeunes encore plus. Moi, je vais vous dire, j'ai été euh, euh, pendant un certain nombre d'années euh, dans une école de sous-officiers de l'armée de l'air. Euh, on a des jeunes qui sont, j'ai pas peur des mots de le dire, particulièrement attachants. C'est des jeunes qui sont attachants. On les, ils sont dans le moule. Ils sont, j'ai presque envie de dire, des citoyens modèles. Certes, avec des travers, mais comme tous les citoyens. Mais et ils aspirent aux mêmes choses, y compris dans la mobilité. Imaginez d'où nous arrivons. Moi, je, on l'oublie très souvent. En 30 ans, je, je n'engagerai que mon armée. Hein, quand je vois les progrès qu'on a faits en règles de gestion sur la mobilité professionnelle, mais les progrès sont considérables. Je n'ai pas dit qu'on avait atteint... La perfection, on trouvera toujours des choses perfectibles. Mais on a écouté les militaires et aujourd'hui on est arrivé à un système qui, à mon avis, n'est pas parfait, mais en tout cas que de progrès accomplis pour justement donner satisfaction dans ce domaine de la mobilité qui était justement un axe déterminant du métier de militaire. Et après, on revient sur les, les, les problématiques. Hein. C'est vrai que la sédentarisation, euh, on va dire, soyons, euh, soyons très clairs, c'est une sédentarisation, euh, c'est un, des choix personnels un peu contraints. Euh, le, le, on sédentarise, euh, mais bien souvent, euh, c'est la famille qui est sédentarisée, c'est pas le militaire. Le militaire, lui, il est affecté euh, dans une autre garnison, il laisse sa famille, il devient ce qu'on appelle un célibataire géographique, et d'ailleurs, je, je, je vais reprendre une proposition de, de, du HCECM, du 16e rapport, mais que, que nous avions fait il y, a, il y a presque 4 ans devant cette commission ici, euh, des, des, choses, des choses innovantes. Euh, quand vous achetez euh, une maison, quand vous êtes militaire, vous achetez une maison, vous êtes muté. Euh, vous êtes muté euh, pour raison de service dans une autre garnison. Eh bien, cette maison, vous avez deux possibilités. Soit vous la vendez, soit vous la louez. Mais cette maison, vous ne voulez pas forcément la vendre parce que bah c'est le bien que vous avez acheté. Peut-être que vous voudrez vous retirer dans cette région quand vous aurez bien servi. Mais euh, finalement, euh, bah c'est soit vous la mettez en location, euh, soit ça devient une résidence secondaire. Bah, le Haut comité le, le rappelle dans son rapport. Et, et il dit euh, bah, peut-être qu'il faut étudier euh, peut-être des mesures... Euh, même si c'est compliqué devant l'impôt, enfin la fiscalité, l'équité devant l'impôt est compliquée, il faut peut-être étudier euh, pour les militaires des mesures qui permettraient de conserver cette maison euh, dès lors qu'on n'en a qu'une, et euh, de la conserver et qu'elle ne soit pas considérée comme une résidence secondaire, ce euh, qui permettrait de partir euh, de, de là où on est avec peut-être plus de sérénité, moins de pression pour vendre. Et voilà, ça c'est quelque chose qui, il y a quatre ans, on évoquait avec vous et, et c'est repris dans le, le rapport du Haut Comité, donc on en est très satisfait. C'est des petites mesures, bien sûr importantes, mais, euh, mais qui, euh, qui prennent quand même un, un peu de sens quand on cherche des, des, des solutions pour accompagner mieux cette mobilité. Le, sur le budget du plan famille, euh, c'est la limite à l'heure actuelle. Il y a, il y a cet exemple-là et l'exemple de CG-Log que vous avez évoqué tout à l'heure. Qui touche au logement. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on, 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 on évolue particulièrement bien dans notre armée en matière de dialogue. On n'a aucune difficulté. Euh, c'est vraiment, euh, je pourrais qualifier ça de nominal. Euh, c'est un petit peu plus compliqué au niveau du ministère. Euh, on est moins reconnu. Euh, je dirais qu'on est toujours bien accueillis, euh, mais, euh, mais c'est moins naturel. C'est-à-dire que CGLOG, nous, on n'a pas travaillé dessus. C'est un très, très gros budget. Euh, je, je pense que ça aurait mérité euh, beaucoup de transparence, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et ça aurait mérité beaucoup de transparence. Bon, là, il y en a probablement eu avec, la, avec le CSFM, notamment. Pas, pas, avec, euh, pas avec nous, en tout cas. Et c'est vrai pour le plan famille numéro 2. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont sur la table. Euh, mais on n'a pas été concerté, on n'a pas été consulté euh, pour ça. Alors peut-être peut-être que, peut que c'est à nous de faire le premier pas et de, et de, de tirer la manche du ministère en disant: voilà euh, vous travaillez là-dessus, on voudrait savoir des choses. mais s'il mais euh, y a un axe d'effort pour améliorer la qualité du dialogue et la complémentarité entre, entre euh, les associations et, euh, et la concertation euh, nationale et le ministère. Eh C'est deux bons exemples, le plan famille et, euh, et CGLOG. Notamment parce que le plan famille, on est capable de solliciter des associations pour discuter autour des mesures, des associations euh, que, que, que pourraient être l'ANFEM euh, et, et d'autres, qui, qui sont des associations plutôt euh, qui ne sont pas professionnelles, mais on est capable de les écouter, donc il n'y a pas de raison qu'on qu ne soit pas capable de, de nous écouter, nous. Et, euh, et après, on, ben on abonde les réflexions. Et puis ensuite, il y a des, il y a des, il y a des décisions qui sont prises et, et on les accompagne. Voilà. Pas une réponse, mais aussi une remarque au député Chenvar. Il y a aussi un élément qu'on a, qu a mal pris en compte. C'est depuis quelque temps le zéro artificia... le zéro artificiation nette. Qui fait que deux choses. Un, même si on a des terrains, beaucoup de terrains militaires ont été classés en zone naturelle. Donc on a très peu de potentiel constructible dans les trucs. Et les collectivités sont embêtées parce que comme elles peuvent pas construire, bah, elles viennent demander des terrains aux militaires <laughs> qui réduisent notre potentiel. Voilà. Donc je dirais que dans ces sujets-là... Voilà. et concernant la sédentarisation, si je me permets, ce pas que les militaires ne veulent pas être sédentarisés. C'est qu'il y a moins d'unités. Il y a moins d'endroits pour se déplacer. Pour certaines armées, pour, pour, une armée, il y en a, pour une armée, il y en a trois. La Marine nationale. vous avez fait Paris, Toulon-Brest, euh, Cherbourg. Cherbourg, voilà, euh, voilà. Cherbourg, voilà. Donc, euh, voilà, donc euh, ce sont des points, je dirais que globalement, dans la, alors, pas, dans la construction, en fait, c'est la construction silo législatif, beaucoup de politiques générales vont nous impacter euh, directement, et c'est une fois que c'est voté. Je reprends les cas de mon camarade, c'est comme la décote. Hein. C'est une fois que c'est voté dix ans plus tard qu'on se rend compte que voilà. Dans les années 2000, j'étais jeune, jeune officier, je faisais des fiches pour justifier les, les zones naturelles en se disant voilà bah, si on avait su enfin, j'ai une bêtise peut-être qu'on se, se serait dit euh, voilà. Je, juste une précision, mais c'est ultra rapide. Euh, on nous demandait si on avait été consulté sur euh, le PLF 2023. Traditionnellement, on était auditionné par la commission des finances, et cette année, ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout. Alors que les trois dernières années, nous avons systématiquement été auditionnés par des représentants de la commission des finances. Bien. Eh bien, écoutez, merci, mesdames et messieurs, pour euh, cet échange qui nous a permis de mieux appréhender les attentes des, des militaires dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Mes chers collègues, prochaine réunion de la Commission, demain à 9h, pour l'examen des avis budgétaires, toujours dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Bonne soirée à tous.